Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport consacrée en grande partie aujourd'hui au noble art, la boxe. Depuis le 3 juin dernier, l'un de ses plus grands champions, pour ne pas dire le meilleur, vous le savez, a perdu son dernier combat sur un lit d'hôpital. Cassius Clay, plus connu sous le nom de Mohamed Ali, est décédé aux États-Unis à l'âge de 74 ans, très populaire aussi en Afrique. Mohamed Ali était d'ailleurs venu en 1964, mais l'on se souvient surtout de son combat livré en 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un champion d'exception et une vie exceptionnelle. Quel qu'en soit l'angle sous lequel on veut l'aborder, la question raciale, la question politique, la religion et évidemment la boxe, Mohamed Ali, en tout cas, plus que tout autre sportif de l'histoire, a transcendé son sport pour devenir un modèle et aussi un héros. Ali le sportif, Ali l'homme engagé, quel héritage laisse-t-il au noble art? On en parle dans la deuxième partie de cette émission qui sera évidemment consacrée au débat. Et toujours dans cette partie tout à l'heure, on va revenir aussi sur la qualification du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Mais avant tout cela, la première partie de l'émission sera consacrée à la pause actuelle avec un hommage rendu à l'ex-sélectionneur du Nigeria, Stéphane Keshi. Quatre invités ce soir pour vous accompagner jusqu'à 23h30. Alors, je vais commencer par Ernest Mabouka, que je reçois pour la première fois dans cette émission. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et à toute la famille, à tout le panel qui est là ce soir. Alors, vous êtes entraîneur de football. Peut-être un mot aussi sur ce qui vous amène au pays ces derniers temps. Je suis entraîneur de football et entraîneur des gardiens spécialement. Oui. J'ai deux projets, dont le premier est le séminaire des gardiens de but, où on va voir les nouvelles techniques et les nouvelles méthodes d'entraînement et surtout la relation entre l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens. Le deuxième projet est l'académie qui est avec à New York de Jonah à Godiba Koko qui est ADFC. Toujours pour les gardiens de but? Non, c'est juste pour tout le monde, footballeurs et jeunes footballeurs surtout, qui veulent évoluer dans le football, qui regardent le côté Ngoriba Koko. Il y a cette académie qui est créée. Donc voilà donc les deux projets que j'amène au Cameroun. En tout cas, merci d'être là avec nous, Ernest. En face de vous, Albert Tanganafuda, bonsoir. Bonsoir la reine, et bonsoir. Bon retour au Bercail. C'est toujours bien. Qui a écrit ça? Le cahier d'un retour au pays natal. Il fait toujours bien de revenir chez soi. Je suis rentré, ça va. Sur ce plateau, Joël Etienne à Tangana, bonsoir. Bonsoir. Que je reçois pour la toute première fois aussi sur les antennes de Spectrum Télévision. Vous êtes enseignant de droit public à l'université de Douala. C'est bien ça, je suis enseignant de droit public. Mais avant d'être enseignant de droit public, je suis également panafricaniste. Ouais. Co-fondateur avec Robert Désirant Venet du club Kwame Nkrumah. À l'université de Douala. Ouais. Et par ailleurs, secrétaire national de l'éducation de l'association de l'action pour l'unité africaine. C'est d'ailleurs l'une de ses filles qui m'apporte ici en hommage à un des grands militants de ce courant du panafricanisme, Mohamed Ali, connu sous le nom de Cassius Clay. Une fois de plus, bonsoir merci à tous vos téléspectateurs. Et merci d'être là, Président Atango. Et enfin, le coach Jean-Paul Monimou, que nous connaissons très bien. Bonsoir, coach. Bonsoir, Makeda, bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV2. J'espère que ce soir, nous allons bien parler de notre père, Mohamed Ali, qui est décédé il y a quelque temps déjà. Mais nous pouvons dire qu'il a laissé un grand, grand souvenir et un grand héritage à la boxe mondiale. Voilà, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission sans le moindre problème. Voilà, on va démarrer donc tout de suite après la transition par quelques faits ayant marqué l'actualité sportive.
Et on démarre cette émission par, par la nécrologie. Vous le savez, très tôt ce matin, on a appris le décès de l'ancien joueur et entraîneur aussi de la sélection nationale de football du Nigeria, Stephen Keshi, qui est donc décédé à l'âge de 54 ans. Peut-être avant de prendre forcément des témoignages sur ce plateau, on va suivre ce reportage que signe Carole Guissot à ce sujet. De dire que nul n'est prophète chez soi, mais Stephen Keshi fait partie de ces exceptions qui confirment la règle sur le continent. Après une brillante carrière de joueur au sein des Super Eagles du Nigeria et à l'international, trois pays africains avaient fait confiance à Stephen Keshi en tant qu'entraîneur pour leur sélection nationale. Le Mali entre 2008 et 2010, le Togo dont il sera le premier à qualifier l'équipe pour une phase finale du mondial, celui de 2006, et le Nigeria, son pays d'origine, qui l'amènera en huitième de finale de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Défenseur central incontournable des Super Eagles durant la Coupe du Monde de 1994, Stephen Keshi remportera avec son équipe la Coupe d'Afrique des Nations de la même année. Côté club, Stephen Keshi a passé quatre saisons à Anderlecht en Belgique, remportant un titre de champion et deux Coupes de Belgique avant de déposer ses valises au RC Strasbourg, puis en Malaisie, où il achève sa carrière de joueur en 1997. C'est donc une légende du football africain qui s'en va à 54 ans seulement. Il avait été surnommé The Big Boss à cause de son côté autoritaire et son charisme qui nous rappelait bien notre Rigo national. Entraîneur, c'était lui le patron qui décidait de tout, comme écarter les stars au profit des talents émergents. N'en déplaise à certains comme Peter Odemwingie qui laissa sur le carreau lors de la de 2013 en Afrique du Sud. Retour en plateau. Alors, je voudrais bien, Arnès Mabouka, avoir votre réaction. Dans quelles conditions est-ce que vous avez appris justement cette disparition de Stephen Keshi? Comme tout humain, c'est choqué. Puisque Keshi était annoncé dans une très grande équipe en Afrique du Sud, cette équipe où j'ai joué le championnat avec, est une l'une des plus grandes équipes. Il faut signaler que vous êtes basé actuellement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ouais. Donc, il était annoncé cette semaine qu'il devait arriver et signer son contrat pour Orlando Palace. Et là, ça m'a fait du mal parce que, quelque part, connaissant ce monsieur, je l'ai vu en Afrique du Sud, on a eu à parler. Et j'ai vu le caractère de ce monsieur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs. Il était l'un des meilleurs entraîneurs dans le monde africain, comme africain. Et ce qu'il a fait en Afrique, je crois qu'il est le seul entraîneur à le faire. Ayant joué en Europe et venir en Afrique et faire des résultats qu'il a fait en Afrique, moi, ça m'a fait du mal à croire à ça. Parce que ce matin, c'est plutôt mon fils qui m'a montré son téléphone disant que Keshi est mort. Quand j'entre dans le kick-off et je vois que c'est une réalité, ça m'a choqué. Je dis, Dieu seul sait, you know. That was not easy for me. Alors, vous côtoyez dans le reportage qu'on a suivi un instant. Notre reporter soulignait, c'était quelqu'un d'assez charismatique. Oui, très très charismatique, parce qu'il avait les objectifs. Quand il voulait quelque chose, et c'est ça qui a coûté ça dans la Fédération Nigériane de football. Ce qu'il voulait, il voulait vraiment du professionnalisme au niveau de l'équipe nationale. Et on a vu, quand il a voulu demander trop, on a dit écarte-toi. Même quand il était à la Coupe d'Afrique, tout ce qu'il faisait, quand vous vous souvenez du premier match de Nigeria, tout le monde a contesté, ils ont dit qu'ils ne pourront pas arriver quelque part. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Et en faisant ces résultats-là, quand tu l'approchais, c'était pas n'importe qui. Tu pouvais ne serait-ce que lui dire n'importe quoi, mais pas lui dire ce qu'il ne connaît pas. Parce que c'est un monsieur qui avait ce jargon. Moi, je connais. Tu ne dois pas m'apprendre. Je vais te dire ce que tu dois faire. Et c'était ça. Dans le coaching, toute l'équipe technique de Keshi, c'était tout le monde qui le respectait. Quand vous regardez Amo Kaché, son adjoint, ne pouvait pas parler. Parce que Amo Kaché, tout le temps, l'appelait Big Boss. Et c'était vraiment un Big Boss. Quand on appelle Big Boss, c'est quelqu'un que quand il disait « je veux ceci », ça devait aller. Et l'Afrique aujourd'hui perd quelqu'un, un acon. Donc tout le monde, nous tous là, nous sommes vraiment
ça nous fait du mal. Oui, absolument. Alors peut-être une réaction aussi, Joël Etienne. On a quand même ces derniers temps vu les rapports avec la Fédération nigérienne de football n'étaient pas toujours au beau fixe aussi. Bon, c'est avec le même émoi que j'ai également appris le décès de M. Keshi. Bon, tout de suite, pour nous qui étions tout petits, on se rappelle que Keshi était cet tout qui a presque écrit la moitié de l'histoire prestigieuse du football africain à travers ces rencontres mythiques entre le Cameroun et le Nigeria. Et dans cette défense, faut le rappeler, Keshi a eu un lourd héritage, l'héritage de Ebou Ebe, l'un des anciens libéraux de cette équipe du Green Eagles. Lors de la dernière Coupe du Monde, Keshi a représenté un espoir pour les entraîneurs africains. Ouais. Faut-il le rappeler, c'était l'un des rares entraîneurs africains qui était à la tête d'une sélection africaine. Ouais. Ce qui réconforte d'ailleurs un certain nombre d'observations qu'on a toujours fait à ce niveau concernant toutes ces équipes africaines qui voudraient bien gagner une Coupe du Monde avec un entraîneur étranger. Ouais. Je l'ai toujours rappelé, lorsqu'on regarde l'ensemble des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, rarement on a vu des équipes hors africaines qui ont gagné une Coupe du Monde avec un étranger. Donc pour nous, il s'agit de la perte d'une grande expertise en matière de football, en matière d'exemple, en matière de pionnier. Il ne nous reste qu'à saluer l'artiste, adieu Keshi, et que la tête de nos ancêtres lui soit légère et que son œuvre donne naissance à beaucoup de Keshi. On voit très bien la faiblesse des défenses africaines aujourd'hui. On voit les difficultés que les entraîneurs africains ont vis-à-vis de nos dirigeants à s'affirmer en tant qu'entraîneurs et de leur traitement. En cela, on peut aussi dire que le décès de Keshi doit également inviter les dirigeants africains à prendre conscience et à traiter à juste mesure les talents qu'ils ont à leur disposition. Merci bien, Joël Etienne. Albert Atangana Fouda, il faisait bien de parler de continuité. Avec cette disparition de Stephen Keshi, c'est une grosse perte, pas seulement pour le football nigérian, mais aussi pour le football africain. Oui, puisqu'il a eu entraîné d'autres sélections africaines. Absolument. Et je crois que j'ai eu ici, sur un plateau, lorsque le Cameroun cherchait des entraîneurs, j'ai eu à dire ici qu'il était parmi les trois que moi je sollicitais, je souhaitais voir à la tête de la sélection camerounaise. Il y avait Louis Stephen Keshi, il y avait Claude Leroy, malgré son âge et tout, mais c'est quelqu'un qui savait où il allait et ce qu'il voulait. Et il y avait aussi qu'un autre, je ne sais plus lequel, mais j'ai dit, je crois que c'était Renard que je sollicitais. Je souhaitais aussi. Oui. Vous voyez les résultats qu'il fait là où il est, partout où il va. Donc, c'est des entraîneurs qui savent ce qu'ils veulent et qui exigent qu'on leur laisse faire leur travail. Malheureusement, vous voyez, au Nigeria, dans un premier temps, comme le reporter l'a dit, on n'est pas prophète chez soi. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il a préféré, son pays n'a pas voulu de lui, il est allé ailleurs, il a fait ses preuves. Le pays était bien obligé de lui faire confiance et lui, il leur a rendu cette confiance, il a fait les résultats. Et jusqu'à la Coupe du Monde, ce n'était pas facile du tout quand on sait ce que le Cameroun a fait et que ce que lui a fait. Donc c'est vraiment une grande, grande perte. Et surtout à cet âge-là, où il avait encore beaucoup de choses à apporter au football africain en général. Alors, coach Menumo, on sait que vous êtes davantage ancré sur le art, sur la boxe, mais quand même, un petit mot aussi. Oui, c'est possible. Cette disparition. Là, oui. Pas comme joueur, parce que du niveau de Stephen Keshi, on a eu des joueurs de ce niveau-là. Mais comme entraîneur, c'est quand même assez spécial. Là, je veux dire, ce garçon, tout le monde le sait, le milieu du football, c'est un milieu corrompu. Et il a eu une forte personnalité pour pouvoir s'imposer. Parce que la différence qu'il fait avec les autres entraîneurs, ce n'est pas la qualité. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont la qualité de football sur le plan technique. Ouais. Mais la différence qu'il fait, c'est sur le plan de la personnalité. Pouvoir imposer ce qu'il entend dans son équipe.
malgré tout ce qu'il y a autour de lui. Parce qu'il y a des joueurs qui parviennent à corrompre les entraîneurs, il y a des membres, des personnes qui veulent à tout prix que leur protégé joue. Absolument. Il y a tout ça, il y a des gens qui veulent, bon, pour l'entraîneur qui est soumis parce qu'il faut qu'on renouvelle son contrat, ouais. Il va se soumettre à des choses, mais s'il est arrivé à ce résultat, c'est qu'il a une forte personnalité, c'est pour ça qu'on l'appelait le Big Boss. C'est-à-dire, ouais. Il fait ce qu'il pense être bien pour son équipe, il met qu'il faut, quand il faut, et c'est pour ça qu'il a ces résultats. On a très peu d'Africains qui ont cette personnalité, soit par la part du gain, parce qu'ils veulent vite gagner de l'argent, mmh. ou parce que le milieu est complètement pourri. Donc, bravo à Stéphane Keshi pour sa carrière, mais malheureusement, il part tôt. C'est maintenant qu'il va avoir beaucoup d'expérience pour donner encore plus à l'Afrique. Et comme disait Ernest, il était attendu dans quelques jours du côté de l'Afrique du Sud. Donc, grosse pensée à Stéphane Keshi. On va toujours rester dans le cadre de cette page pour parler aussi d'un autre footballeur, ancien footballeur, entraîneur, dirigeant des clubs, David Maebi, dont les obsèques vont démarrer à Douala à partir de demain. Les hommages se multiplient. Il y a eu cette soirée de l'Union de Douala au domicile du défunt. C'était hier soir à Bonapriso, ici même dans la cité économique. Et entre autres aussi, il y a eu ce communiqué publié par la dynamique électorale Maison Mère pour exprimer aussi, rendre aussi hommage à David Maebi, on le rappelle, qui était à la tête du syndicat national des footballeurs du Cameroun, Sinafo, qui est membre aussi du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Grosse pensée aussi. On va y revenir. On va continuer toujours en football avec ces quelques résultats de la 20e journée de Ligue 1 qui s'est disputée ce mercredi, cette 20e journée. À Douala, Asra et Bambuto sont fait jeu égal 0-0. Un but à 0 pour New Star qui recevait le Racing Club de Bafoussam. Vous avez assisté à ces rencontres, coach? Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé? Oui, le niveau... Quand vous regardez une équipe qui mène 1-0 et qui ne parvient pas à jouer le match en deuxième mi-temps, c'est tout ça. Parce que j'ai vu une équipe de Racing de Bafoussam, comme on dit en anglais, en lucky. Ils ont raté beaucoup de buts. Et j'ai vu une équipe de New Star qui était conservatif, qui ne voulait pas encaisser de buts. Ouais. Donc, dans le jeu, je ne peux pas dire que les deux équipes ont joué un football comme on voit souvent dans les grands championnats. Mais quand cela est-il, j'ai vu un jeu où une équipe voulait 3 points et l'autre équipe aussi venant de loin comme Racing de Bafoussam voulait 3 points. Mm-hmm. Et malheureusement, ce n'était pas à leur côté. Ils ont eu à perdre le match. Mais je dis bien que New Star, avec les résultats qu'ils ont tous ces derniers temps, je félicite le Colmbimi. Parce qu'il sort de loin, avec tout ce que le monde dit, il a pris ce résultat aujourd'hui. Et là, je le tiens, on dit en anglais, salut. Mmh. Et puis, Mongo Charlemagne, qui est coach des Astres, qui est revenu en 2 matchs 2 nuls, il n'a pas encaissé les buts. Là, je tire chapeau à son équipe, et lui particulièrement, parce que c'est un ami personnel. Ok. Alors, d'autres résultats, c'est Young Sport qui a fait jeu égal avec Dragon 0-0. Canon a été battu par APG 0-2. Aigle s'est imposé devant Botafogo de Douala, 2-0. 2-1 pour Edin Sport qui recevait Unisport de Bafan. Même score entre Lyon Blessé et Cosmos de Bafia. Cette 20e journée va s'achever demain. 2 matchs en retard sont au programme, Panthère Union et UMS Coton Sport de Garoua. On reste toujours dans les couloirs de la Ligue de football professionnel, cette fois dans le bureau avec Albert Atangana, ses élections qui sont prévues pour le 28 juin prochain. Il sera donc question pour la Ligue de se doter d'un nouvel exécutif sur 4 ans. Alors, entre-temps,
Il y a eu le dépôt des candidatures, il y a eu de la part de la commission l'appel au candidat Franck Capi à compléter un dossier. Il a estimé que les formulaires n'étaient pas... Bref, il y avait eu un problème au niveau des formulaires. La Ligue qui estime que ce n'était pas à son niveau. Bref, on a et du coup, ça va un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on a tort de penser qu'on se dirige vers une élection sous tension? Sous tension, je ne crois pas du tout. Les tensions, je crois que c'est ce qui se passe toujours avant les élections. Mais le jour dit, ceci pour refuser d'évoquer ce qui s'est passé à la FECAFOOT, je crois qu'il n'y aura pas de tension le jour des élections parce que tel que j'ai vu le général Semeng manœuvrer, je doute qu'il puisse avoir un challenger vraiment assez sérieux. Le général est bien parti pour se succéder à lui-même. Oui, d'après les éléments que moi j'ai, parce que c'est quelqu'un dans ce pays qu'on respecte. C'est quelqu'un qui est comme un exemple pour même les hommes en armes, pour les et citoyens. Et ce n'est pas le cas pour les autres C'est quelqu'un pour... Non, vous savez, il n'a pas été élu pour être là. Ouais. Je ne fais pas sa campagne, mais je développe un certain nombre d'arguments. On l'a vu lorsqu'ils sont allés essayer de régler le problème avec la FECAFOOT chez le ministre. Le discours du ministre était celui que je suis en train de dire là, que vraiment le général Semeng, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans ce pays, il faut le respecter, il faut le ménager, il faut. Et lui-même dit qu'il est là, on l'a envoyé en mission. Et il estime que sa mission n'est pas terminée. Et lorsque vous êtes invité par une structure comme le JICAM, qui est susceptible de bloquer beaucoup d'argent par les sociétés membres, ce n'est pas rien. C'est un peu comme aux États-Unis, lorsque la communauté juive vous invite, vous candidats aux États-Unis, vous êtes presque sûr d'avoir déjà gagné les élections. Donc c'est tous ces détails-là qui font que je dise que en ce moment, il y a beaucoup de mouvements, je n'appelle même pas sa tension, mais je crois que ça va se dissiper lorsque le jour j'y arrivera. Alors, peut-être une réaction aussi, Joëlle Etienne, par rapport à cette ligue professionnelle qui veut se doter d'un exécutif sur les 4 prochaines années, parce qu'ils sont sous administration provisoire en ce moment. Pensez aussi que le général est bien parti pour se succéder à lui-même et qu'il n'y a pas véritablement quelqu'un en face pour le challenger? Moi, je ne veux pas lire cet événement, bien ce phénomène, comme étant un élément qu'il faut personnaliser au niveau de la personne du général. Je pense qu'il s'agit d'une grande mutation. Rappelez-vous qu'avant les années 90, malgré le fait qu'il y avait des associations sportives, la plupart des dirigeants étaient nommés. Ouais. Au lendemain des années 90, avec la chute du mur de Berlin, l'adoption d'un certain nombre de textes relatifs aux droits et libertés, le service public des sports a subi des grandes mutations. Mm-hmm. Parmi ces grandes mutations, désormais, les fédérations, les associations, dans un premier temps, devait intégrer désormais le paradigme de la démocratie sportive. Cette démocratie sportive devait aller de pair avec la gouvernance sportive. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'au lendemain de cette date, un certain nombre de contentieux, un certain nombre de soubresauts, un certain nombre de secousses, un certain nombre d'événements que certains qualifient de tensions. Mais pour moi, il s'agit d'un ensemble de phénomènes qui visent à normaliser ces démocraties sportives. Maintenant, le grand frère l'a souligné tout à l'heure, concernant le général Pierre Semeng, qu'il est un missionnaire, il est en mission. Mm-hmm. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde l'équipe qu'il a eu à manager avant cette élection, on se rend bien compte que l'ensemble des challengers
ont été avec lui lorsqu'on a lancé le projet de cette ligue de football. Et que, d'une façon ou d'une autre, en tant que simple observateur, aucun de ces prétendants n'a eu à invectiver ou à lancer de quelconques attaques allant dans le sens de tension tel qu'on l'a suivi avec l'élection à la FECA Foot. Deuxièmement, le général Pierre Semeng n'est pas à la lumière d'un certain nombre d'éléments à mettre en actif. Quelqu'un qui vient là pour chercher un poste pour gagner une élection. Le général Semeng est porteur d'un projet. Dans la première phase de ce projet, il a toujours rappelé que la première mission a consisté à donner un véritable statut au club de football. Nous sommes passés des associations aux sociétés. Après le stade des sociétés, il y a un certain nombre d'étapes qu'il a eu à évoquer. Et ces étapes concernent justement la recherche du financement, non seulement pour construire le stade, mais pour permettre aux joueurs et aux différents acteurs de trouver des moyens à même de mettre notre football à la dimension d'un championnat professionnel. Mais sauf que dès le départ, le mandat, c'était pour 2 ans. Et puis après, il devait avoir des élections pour désigner un exécutif. Il y a aussi ça qui revient. Sauf que le grand frère Atalala rappelait tout à l'heure que le général Pierre Semeng n'a pas été élu au départ. Il a été nommé. Et à la fin de ces 2 premières années, ceux qui l'ont nommé ne l'ont pas démis. Ouais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que jusqu'ici, il est dans un cahier de charge qui lui a été soumis. Et ce cahier de charge, à mon avis, quel que soit le résultat de l'élection, se fera avec tous ceux qui sont ses challengers aujourd'hui. Puisqu'il s'agit des gens qu'il connaît bien, des gens avec qui il a travaillé ensemble. Et la plupart de ces gens partagent le grand projet qu'ils sont en train de lancer, celui de la professionnalisation du sport, celui de la gouvernance, celui de la démocratie sportive. Je peux dire quelque chose. Oui, coach. En fait, moi, je parle comme profane. Hein. Ouais. Je suis entraîneur. Je veux tout ce qui a comme lieu autour de ces différents sports, c'est pour amener l'athlète à son bien-être. Absolument. Ok. Amener une certaine justice, une rigueur dans les compétitions. Moi, ça, c'est mon observation. Depuis donc qu'il est là, moi, je croyais que la première mission, j'ai vu la vie des athlètes, ça n'a pas changé. Au contraire, pour certains encore, ça s'empire. Par des mois, le coach n'est pas payé, les joueurs n'ont rien. Ça se lit tous les jours dans les journaux, dans les équipes. Ça n'a pas changé. Les matchs continuent à être truqués. C'est-à-dire que l'arbitre se tourne d'un côté, il arbitre pour une équipe. Ça se voit tous les jours. Pour avoir côtoyé un peu, je me rappelle, j'étais à côté d'une équipe, et à la veille des matchs, les arbitres m'appelaient pour me dire « Est-ce que tu ne sais pas que nous jouons demain et c'est moi qui arbitre ton match ?» Donc, ça, c'est des choses qui n'ont pas changé dans le football. Mais il faudrait que ça change. C'est donc pour ça que je dis, on devait commencer par là. Sa mission devait être là, déjà pour rendre le milieu propre. Vous cherchez le financement. On dit, par exemple, on a parlé du projet de construire les stades. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'était, je dis, c'est l'État camerounais qui continue à construire les stades. À moins que je me trompe. C'est l'État camerounais. Ouais, tu as aussi un projet de construction de toujours stades. Toujours les projets. Comme le siège de la FECA Foot qui a Yaoundé, qui a été lancé en grande. C'est encore là. C'est pas fini. C'est là, bloqué, le siège de la FECA Foot à côté du palais de sport. J'ai suivi un commentaire concernant la FIFA, de l'argent qui a été débloqué pour ça, qui n'est jamais arrivé ou bien c'est resté en route. Hier encore, je suivais à une émission sur une chaîne que je ne vais pas citer ici. Donc, voilà des choses que moi, je croyais à mon égard, comme observateur neutre, que quand le général arrive là, faute de sa personnalité, devait dire ça doit être propre. Maintenant, les enfants qui n'ont pas leur argent, on doit leur donner leur argent. Les entraîneurs qu'on fout à la porte tous les jours là, avec des années d'arriéré, ça s'arrête. Pour que le sport vive, en fait, parce que tout ce qu'on fait là autour, c'est pour que c'est des acteurs, les premiers acteurs. C'est les entraîneurs, ce sont les joueurs. S'ils ne sont pas à l'aise, tout ce qu'on peut manigancer au-dessus là, on n'aura pas de résultat, probablement. Je voulais un peu ajouter quelque chose là. Quand on parle de professionnalisme, je crois que c'est bien dit.
Bien sûr, on parle de professionnalisme au Cameroun, on n'est pas encore là. Le football sera là, professionnel. Pour moi, les candidats qui vont présenter quelque chose de super au football camerounais, pour aider, comme a dit l'entraîneur, pour aider les jeunes footballeurs camerounais à ne pas s'exiler. Donc il faut mettre le jeune, le footballeur, au centre. Au centre de tout. Ouais. Parce que ce footballeur, ayant un bon salaire, je ne suis pas sûr que ce footballeur ira mourir en Algérie pour traverser la mer, pour aller retrouver l'autre côté. Je ne suis pas sûr que ce footballeur va prendre la voiture, prendre toutes les tracasseries de route pour aller chercher du pain quelque part. Ce footballeur sera bien au Cameroun et il va jouer le ballon au Cameroun. Et quand tu regardes nos entraîneurs, pourquoi ils n'ont pas ce respect? Parce que quelque part, ayant travaillé trois mois sans avoir le salaire dans une équipe soi-disant professionnelle, moi je ne trouve pas ça bien. Parce que quand bien là où je sors en Afrique du Sud, quand le joueur... L'entraîneur, on rompt ton contrat, on te paye jusqu'à la fin de ton contrat. Quel qu'en soit le cas, que tu as signé un contrat déposé à la Fédération sud-africaine de football, tu seras payé jusqu'au dernier mois qu'on a rompu ton contrat. Du premier jour qu'on a rompu ton contrat jusqu'à la fin du contrat. Et ce n'est pas le compte ici au Cameroun. Ça veut dire qu'on te chasse, on te dit que tu ne viens pas, on ne veut pas, on ne te paye pas. Voilà donc. Pour avoir un championnat professionnel, le président qui gagnera demain, après-demain, doit automatiquement mettre les lois. Un président de club doit aller aussi être éduqué comment gérer une équipe de football. Ce n'est pas seulement les moyens. Tu peux avoir les moyens, mais ne savoir pas gérer les hommes. Un président de club doit savoir sa place. L'entraîneur de football doit savoir sa place. Le joueur de football doit savoir sa place. C'est ça le professionnalisme. C'est là où vous allez voir le marketing quand on va parler d'un joueur de football. On va d'abord chez lui, on regarde ce qu'il a. On entre chez lui, on trouve qu'il a un bon salon, une bonne voiture, et la famille vit bien. C'est ça qui fait que quand l'étranger vient acheter ce joueur, il est obligé d'acheter ce joueur. Parce que là, il verra que ce gars n'est pas seulement qu'on lui donne n'importe quoi. Donc voilà ce que je voulais un peu ajouter. Donc au Cameroun, on est un peu loin de ça. Donc n'appelons pas professionnel. Cherchons un autre nom, n'appelons pas le football professionnel. Parce que quand vous avez un entraîneur qui a 3 mois impayé, un joueur qui a 6 mois impayé, et d'autres joueurs qui en ont peut-être 1 an impayé, je me souviens, il y a un gars qui me disait qu'il y a une équipe comme Sable de Batché qui n'existe pas, mais qui était dans le football, une grande équipe que je connaissais, j'ai joué contre Sable, qui n'existe pas à cause de ces choses-là. Ce garçon était capitaine d'une équipe et il manquait de l'argent. Je me souviens d'autres fois quand je jouais dans une équipe que je ne vais pas citer le nom, je partais chercher l'argent chez les supporters pour nourrir mes joueurs parce que j'étais capitaine de l'équipe. Ça doit ne pas exister, ça ne doit plus exister. Parce que quand on parle de football professionnalisme, nous allons déjà, on essaie de changer nos mentalités, les présidents de club essaient de changer les mentalités, les joueurs même en question. Quand un entraîneur a un match demain, on ne doit pas le trouver dans les bars. On doit le trouver quelque part en train de penser ce qu'il doit faire pour gagner le match demain. Souvent, on trouve les joueurs, justement, le contraire. Oui, Joël Etienne. Je voudrais tout simplement ajouter à la suite du coach que c'est normal. On ne peut pas mettre tous ces éléments à la fois. Mais il y a quand même un élément décisif qu'il faut souligner. C'est le sérieux des différents acteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus d'associations. Nous parlons des sociétés. Les rapports sont des rapports contractuels. L'entraîneur, les joueurs, du moins tous les acteurs qui évoluent, chacun est lié à quelqu'un par un contrat. Ce qui est curieux, coach, en ce qui concerne le paysage sportif camerounais, vous ne verrez jamais un joueur qui vous dit « voici mon contrat, les droits n'ont pas été respectés, je vais au tribunal ». Même quand ils se plaignent, lorsque vous dites toujours apporter le contrat... Il y a quand même des joueurs qui se plaignent au niveau du syndicat. Non, mais le syndicat n'est pas une instance juridictionnelle. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas le syndicat qui signe le contrat. Le contrat est un contrat individu personnel. On regarde un certain nombre d'éléments que le coach a souligné tout à l'heure. Son prestige, son talent, la dimension, ainsi de suite. Maintenant, que ceux qui signent ces contrats ne prennent pas au sérieux les écrits et les clauses contractuelles. Et lorsque ces clauses sont rompues ou ces clauses ne sont pas respectées, il n'y a pas contentieux. Parce qu'un état de droit, ça suppose également
une capacité pour les bénéficiaires de ces droits de les défendre. Oui. Au-delà des sentences, des règlements amiables et différents, aller au tribunal. Il s'agit d'un contentieux privé. Et on est surpris que jusqu'ici, vous allez faire le tour des tribunaux sur l'étendue du pas territoire. D'affaires qui concerne des joueurs. Quand vous voulez même inviter certains footballeurs à dire, bon, on veut faire un petit stage. Ils n'ont pas de quoi manger, ils iront au tribunal, dans les tribunaux. Non, mais sauf que c'est là qu'il faut aller au tribunal, parce que ces droits dont on parle là, si nous avons affaire à des responsables qui ne veulent pas respecter leurs droits et obligations, on ne va pas demander aux joueurs d'aller bagarrer ou d'aller par les bachettes. Oui. La voie légale, oui, c'est pour ça qu'en Afrique du Sud, comme le coach a souligné tout à l'heure. En football, il y a les juridictions et les instances juridictionnelles bien précises. Non, il s'agit d'un contrat, il s'agit de contrat privé. C'est pour ça que le coach a dit tout à l'heure, lorsque vous signez un contrat, la fiche, si vous déposez, pourquoi l'autre partie exécute? Parce qu'on a peur des sentences et des montants en termes d'amende et de réprimande. Oui. Oh, dans le cas d'espèce, si les joueurs... On est au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Il y a des juridictions au Cameroun. Le football est universel. Universel. Au Cameroun. Je veux dire. Quand on parle de football, c'est la mentalité, c'est le copinage. C'est-à-dire que ça se déroule comme si je ne veux pas porter plainte à l'autre parce que moi-même, je risque d'avoir des problèmes avec tout le terrain. Il y a quand même le règlement, Albert Atangana Fouda. Non, le vrai problème, c'est que... En cas de litige, en cas de problème. Je suis d'accord, mais c'est que le cahier de charges donné au club n'a jamais été respecté. C'est ça le problème. Parce que quand tu vois des équipes gréver parce qu'on ne leur a pas donné des subventions, ça veut dire que ces équipes n'ont pas de capital départ pour la saison. Ils attendent ces subventions pour démarrer leur saison. Et c'est ce qui n'est pas normal. Le cahier de charges, comme j'ai vu en France, une équipe qui, championne, devait monter en Ligue 2, mais n'est pas montée parce qu'il n'avait pas les moyens pour gérer l'équipe en Ligue 2. Et on prend le deuxième. Donc, ça doit être ici comme ça. Si tu n'as pas un minimum de 100 ou 150 millions, tu ne joues pas le football de Ligue 1 ou de Ligue 2 professionnel. Ça devrait être comme ça. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai vu au Gabon, ils ont lancé la Ligue professionnelle avec l'État a donné 11 milliards. Le joueur avait un minimum de 400 000 francs par mois. Les joueurs gabonais qui chauffaient les bancs de touche en Europe sont rentrés jouer au Gabon. Parce que quand tu as 400 000 francs en Afrique, tu vis décemment. Beaucoup plus que de chauffer les bancs, tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as pas de visibilité. Et puis, ça a été un message qui leur a été lancé. Ils sont rentrés et j'ai dit, chez nous, le cahier de charges n'est pas respecté du tout. C'est ça le point de base. Donc, il faudrait que le prochain... Il faut les moyens. Le prochain président... Oui. De bon, la le prochain président, moi, je sais que forcément, sera, vraiment, vous avez sera dit le général. Et lui, dans son projet, il voudrait avoir environ 600 milliards, 650 milliards de sociétés. Parce qu'en fait, il peut avoir cet argent-là si les sociétés acceptent de financer le football, puisque l'argent qu'ils mettent dans le football ou dans les infrastructures leur est déduit de leurs impôts. Donc, la loi des finances les aide à donner de cet argent. Le général peut bien avoir 600 milliards et lorsqu'il dit qu'il est prêt à donner 500 millions à chaque équipe au début du championnat, c'est un peu, je vois, c'est ça son projet, mais maintenant, il faut que les sociétés puissent adhérer à ce projet-là. Coach, aussi quelque chose qui peut faire que la personne qui est le général peut avoir ses moyens. Et comme il dit bien, il peut gérer. Parce que en Afrique du Sud, voilà ce qui se passe. Chaque équipe perçoit quelque chose comme 200 millions de francs CFA par mois qu'on les donne. Chaque mois. Par mois. Par mois, tu es obligé de payer tes joueurs, tu es obligé de payer tes entraîneurs. Ce qui veut dire que si le général part dehors, il dit que je peux donner 500 millions à Union de Douala et que dans ces 500 millions, le président est vraiment un président d'une équipe professionnelle, il pourra payer ses joueurs. Parce que le problème qui est là, c'est au niveau de chercher les voies et moyens. Si le général ne peut pas aller trouver les 600 milliards,
Qu'est-ce qui est plus simple? Parce que là, en 2010 en Afrique du Sud, le président IA, avec le président actuel Tombi Aroko, je suis parti, il m'a dit que vous allez parler au président IA. Et je lui ai dit, président, voilà ce qui se passe dans le football sud-africain. Allez chercher les sponsors pour les clubs. Oui. Et chercher un grand sponsor pour le championnat camerounais, ce qui veut dire qu'avant le début du championnat, vous avez trois tournois qui vont donner à 200 à 300 millions à une équipe de football qui a gagné le tournoi. Ce qui veut dire que cette équipe aura cet argent et il y aura compétition. Ces équipes-là vont faire tout pour tout. Je dois gagner les 300 millions parce que ces 300 millions vont m'aider à faire beaucoup de choses. Et là, maintenant, chaque équipe sera sponsorisée. L'État camerounais, le candidat, qu'il amène ce projet en disant que chaque club aura un sponsor qui va verser ne serait-ce que 200 à 300 millions de francs CFA. Je crois que l'équipe va vivre et les joueurs seront payés. Voilà, on espère bien. De toute façon, on va suivre l'évolution. Hein, le processus électoral au niveau de la Ligue de football professionnel aura l'occasion de revenir davantage là-dessus lors de nos prochaines éditions de la Nuit du Sport. Juste en quelques mots, Albert Tanganafuda, sur l'Euro 2016 qui démarre en France, grève, menace terroriste. Quel Euro cette année? Non, je crois que l'Euro va se jouer. Le jeu aura cours sur le terrain. Ouais. Au-delà, vous savez, les terroristes, ils font peur aux populations, mais le fait qu'ils aient déjà perpétué des attentats en France, la France a pris de toutes les dispositions. La France est prête. Oui, la France est prête et je crois que le chef de l'État français a eu à le dire fort qu'il n'est pas question qu'on annule l'euro, qu'on fasse ceci ou cela. L'euro va se jouer, je crois que le football va se jouer. Vous avez vu France-Cameroun, je ne crois pas qu'il y ait eu une certaine crainte à marquer des buts parce que la menace terroriste pouvait venir des gradins. Non, je crois que ça va se jouer et toutes les dispositions ont certainement été prises par la France et même l'Europe, les pays voisins, pour que tout se passe normalement. Pour sécuriser la compétition, oui. C'est la même lecture, Joël Etienne, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, je suis un peu mal placé pour parler du dispositif sécuritaire français. Tout ce que je peux dire, c'est que j'observe de loin et que la compétition est lancée. Chacun va faire son travail. Les footballeurs vont disputer le tournoi et les responsables en charge de la sécurité vont faire leur travail. On ne peut que souhaiter que les choses se passent bien parce qu'il faut le rappeler d'une façon ou d'une autre. Il y a les Africains là-bas, il y a les Camerounais et que ce qui peut se passer là-bas au cas où ça tourne mal concerne non seulement le Cameroun et tous les autres États. Alors on va peut-être rappeler en ce qui concerne l'Euro 2016, Tchikou, on ne parle plus des élections à la Ligue de football professionnel pour le CNT. Donc France-Roumanie vendredi prochain pour démarrer cette compétition. Et puis samedi 11 juin, il y aura d'autres matchs comme Albanie, pays de Galles, Suisse, Slovaquie, Angleterre, Russie. Voilà un tout petit peu pour le calendrier du début de la compétition. On va y revenir. C'est quand même un mois non-stop pour l'Euro. Coach Ernest Mabouka, peut-être une réaction là aussi par rapport à cette compétition qui va quand même mobiliser. Je crois qu'à ce niveau, tous les pays qui vont participer à ce tournoi. Et tout le monde est prêt. Et je ne crois pas qu'il y aura problème. Et je crois, j'ai lu quelque part la Belgique, soi-disant qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe. Ils ont les moyens. Et ils sont prêts à venir jouer en France et gagner cette Coupe d'Europe. Je me dis quand même que, faisant cette préparation, je ne crois pas qu'il y aura problème sur le terrain, comme a dit les autres panels, au panel. Donc, Pour moi, il y a l'Allemagne, une grande équipe, et il y a l'Espagne qui a une grande équipe. Je me dis quand même qu'il y aura quelque chose de super quand tu parles de beau football, surtout que l'Espagne a gagné presque tout dans le monde. Quand tu parles des clubs, Real de Madrid a gagné, et ça prouve vraiment que l'Espagne a un championnat très très fort. Et l'Angleterre aussi, qui
n'a pas perdu en... jusqu'à ce moment-ci. Je ne crois pas que, comme ça commence, samedi, ça va faire du mal à tous ces pays-là. Ils se sont préparés. Ouais. Je crois que le meilleur va gagner. Ça sera une belle compétition. Une très belle compétition. J'ai envie de regarder le premier match. France-Roumanie. Roumanie. D'accord. Allez, on va terminer cette pause actuelle par une note sur le volleyball avec l'équipe féminine de volleyball qui est actuellement en stage du côté du Brésil, hein, depuis une semaine d'ailleurs. On rappelle qu'elle va disputer là-bas plusieurs matchs Mico. Il s'agira d'une mise en jambe avant un rendez-vous dans quelques jours en Espagne aussi pour un tournoi. La sélection, donc l'équipe nationale de volleyball dames qui affûte ses armes en attendant le coup d'envoi des Jeux olympiques. Voilà qui va donc mettre un terme à cette première partie de l'émission. Place tout de suite au débat. Samedi dernier, je vous le disais à l'introduction, Mohamed Ali a perdu son plus long combat, non pas sur un ring de boxe, mais sur un lit d'hôpital. Âgé de 74 ans, Cassius Clay, plus connu sous le nom de Mohamed Ali, menait un combat depuis 32 ans contre la maladie de Parkinson. Hospitalisé pour un rhume, son état s'était dégradé en 24 heures au point où il avait été placé sous respiration artificielle. Et selon la famille, il avait demandé à être débranché dans le cas pareil, ce que la famille a donc accompli comme geste en débranchant le respirateur artificiel. Ses organes ont cessé de fonctionner, mais son cœur a battu pendant 30 minutes encore, selon le témoignage de sa fille Laila Ali, ex-boxeuse aussi et championne du monde. Pendant 30 minutes, donc, le cœur de la légende a battu avant de cesser définitivement. Même dans ces derniers moments, on va constater que Mohamed Ali restait fidèle à lui-même. Figure de l'opposition à la guerre, souvenez-vous, du Vietnam et de la lutte pour la reconnaissance aussi de l'égalité des droits des Noirs aux États-Unis, Mohamed Ali était un sportif engagé. Son style, ses multiples titres de champion du monde lui ont valu le statut de légende et parmi ses combats cultes aussi, celui contre George Foreman, livré en 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ici même en Afrique. Et on se rappelle de ce combat-là et aussi de la fierté pour l'Afrique d'avoir accueilli l'un des grands combats avec aussi l'un des grands champions. Alors, avant de vous proposer justement un document qui va revenir sur le parcours même de Mohamed Ali dans un instant, coach Monimo, quelle réaction justement après cette disparition de Mohamed Ali? Bon, ça, tout le monde a vu Mohamed Ali mourir petit à petit. On savait qu'il était très malade et que d'un instant à l'autre, il pouvait disparaître. Bon, sur le plan de l'homme comme sportif, c'est une grande perte parce que malgré qu'il était malade, il restait quand même l'emblème de la discipline, restait quand même le miroir encore de notre sport. Dans les grandes manifestations, on le voyait apparaître et ça faisait plaisir à tout le monde. Bon, là maintenant, on n'aura même plus l'occasion de le montrer comme mascotte. Donc, dans l'ensemble, ça fait mal, c'est pas bien. Quand on perd quelqu'un de si grand, de si précieux, c'est pas de gaieté. Donc, nous pensons que... On a un souci avec la réalisation, je vous en prie. On a un souci. Voilà. Oui, coach Monimo, là, oui, on peut vous entendre. D'accord. Je disais donc, là, on aura un souci. Parce que remplacer un homme de cette envergure, je ne sais pas en combien d'années, on pourra trouver son successeur. Bon, pour le moment, nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins. Alors, la disparition de Mohamed Ali aura donc suscité une vive émotion à travers le monde. Les réactions se multiplient, celles des boxeurs et même des politiques. Et il y a d'ailleurs le président américain aussi, Barack Obama, qui a fait un tweet à cet effet. Il a secoué le monde et le monde a été meilleur avec lui, dixit Barack Obama. Il faut quand même signaler, Joël Etienne Atango, c'est pas tous les jours qu'on voit toutes ces réactions relatives à la disparition d'un sportif.
C'est vrai, ce n'est pas tous les jours qu'on voit autant de réactions à la suite du décès d'un sportif. Cela justifie par la stature, l'étendue, l'ampleur, la qualité de l'action de l'homme. Mohamed Ali, qui disparaît, a été un modèle. Un modèle non pas seulement pour ceux qui ont vécu dans la société, qui lui était difficile. Un modèle également pour les sportifs, parce que faut-il rappeler, Mohamed Ali en tant que sportif est allé au-delà de la boxe. Ouais. Nous nous rappelons de ce témoignage de Bruce Lee à l'époque. Mm-hmm. Bruce Lee affirmait, sous le contrôle de l'entraîneur de boxe qui est ici avec nous, avoir hérité le jeu de pied des jeux de jambes des... que nous avons, qu'il a eu au Pérou, dans le cas du Koufou, de la part de Mohamed Ali. Mm-hmm. Pour dire quoi? Pour dire que le combat de Mohamed Ali justifie l'ensemble des mobilisations qu'on voit aujourd'hui en hommage à ce grand homme. Alors on va justement aller vous proposer ce document de notre partenaire VOA qui revient sur le parcours de Mohamed Ali. On se retrouve juste derrière. This son of a Kentucky painter took up boxing after neighborhood bullies stole his bicycle. His trainer said the boy, then known as Cassius Clay, grew to mix raw talent with determination. A dynamite right, Ken Rushmore crashing to the floor. In 1964, he shocked overwhelming favorite Sonny Liston to win his first world heavyweight title. Short, kills him right to the jaw. Liston goes down. Washington Post newspaper sports columnist Mike Wise says the confident boxing great continued to dominate, fighting with both his fists. These represent dynamite. And his words. He was probably the first guy, the first athlete in America to brag about something and back it up. Nobody boasted in those days. I'm the greatest, and I'm knocking out all bones. And if you get too small, I'll knock you out. Clay had joined the Nation of Islam and changed his name after that fight to one that is revered around the world, Muhammad Ali. 3 years later, he was vilified for refusing the U.S. Army draft based on his religious beliefs and his opposition to the Vietnam War. Ali was convicted of draft evasion and stripped of his title, keeping him out of the ring for 3 years until the Supreme Court overturned his conviction in 1970. Just months after returning to the ring, new heavyweight champ Joe Frazier dealt Ali his first professional loss. But Ali later took his revenge against Smoking Joe Frazier and won their second fight. Another classic bout for Ali was against George Foreman. Ali and Foreman took their 1974 championship fight to the former Zaire in a remote part of Central Africa. It was a boxing match immortalized as the Rumble in the Jungle. I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. Bad, ain't it? Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Bad, fast. And for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing strategies, act like you're tired, let the big guy punch himself out, and then all of a sudden galvanize yourself and find a way to knock him out in the eighth round. Well, that was still probably the most triumphant moment in boxing history. The great man has done it. Ali then met Frazier in their third and final clash. It was late 1975 in the Philippines, dubbed the Thrilla in Manila. Ali endured 14 brutal rounds and emerged victorious. The boxing legend's later years were plagued by Parkinson's disease, which he was diagnosed with in 1984. He could no longer float like a butterfly or sting like a bee, but his generosity and passion for humanity continued to inspire people around the world. Muhammad Ali was beloved. You know, there was a heart component that I don't think anybody will ever touch. Whether loved or hated, Muhammad Ali certainly made people feel. And that
perhaps even more than his boxing prowess, will be his lasting legacy. Carla Babb, VOA News, Washington. Merci à VOA pour ce document sur le parcours de Mohamed Ali. Je voudrais qu'on, Tiku qui a su la réalisation ce soir, qu'on puisse avoir cette photo de Mohamed Ali. Nous étions aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome. Un jeune, voilà la photo, 18 ans seulement, il remporte ses combats et bat son adversaire en finale, triple champion d'Europe, et décroche ainsi la médaille d'or et sur la plus haute marche. Alors qu'il s'appelait encore à cette époque Cassius Clay, sa médaille d'or passait fièrement autour de son cou, l'hymne américain résonne dans le ciel des JO. Forcément, coach Mounimo, beaucoup d'Américains découvraient cette année-là ce jeune boxeur qui deviendra un jour le meilleur. Oui, en fait, il arrive très tôt aux Jeux Olympiques pour être médaillé d'or à 18 ans. C'est court par la rue. On a très peu comme ça. On a eu, je crois, De La Hoya qui est arrivé à 19 ans. Mais je crois, depuis ce temps, on n'a plus un jeune à 18 ans être médaillé d'or aux Jeux Olympiques. En fait, il a commencé très tôt dans les petites catégories. Et il est monté là dans les mi-lourds. Oui. Quand il est médaillé d'or, oui. C'est qu'il a assez d'expérience. Il va plus vite que les mi-lourds de l'époque. Et c'est ça qui met en difficulté ses adversaires. Bon, il a beaucoup de facteurs d'efficacité. Ali, quand on observe après comme entraîneur, il a une grande vitesse d'exécution, il anticipe, il est endurant, il est puissant, il a beaucoup de qualités. Donc, il a même une bonne défense, ce qui lui permet d'être... il est précis ensuite, hein, parce que ses coups arrivent toujours à destination. Il a une bonne précision. Donc, c'est un boxeur complet dans l'ensemble. On a rarement eu des boxeurs qui ont ces qualités-là dans le monde. Aujourd'hui, on a un jeune qui est aussi arrêté, Mayweather, il tend vers cette qualité-là. Mm-hmm. Ouais, parce que déjà, il ne faut pas prendre les coups si tu veux boxer longtemps. Tu prends beaucoup de coups, ta carrière s'arrête tôt. Et je voulais vous rappeler que les jeux de jambes de Mohamed Ali, il avait aussi eu une idole. Ray Sugar Robinson, qui était boxeur de poids moyen, et qui jouait des claquettes dans les bars, c'est-à-dire qu'il jouait des jambes qu'on appelle les claquettes là, caca. Alors, c'est ça qui lui permettait de jouer, quand il gagnait sur le ring, il jouait, il s'amusait comme ça. Et ça intéressait Mohamed Ali. Et c'est le premier boxeur qui a conquis pour trois fois son titre, Ray Sugar Robinson, avant Mohamed Ali, dans les poids moyens. Et c'était son idole. Donc, il a plus imité un boxeur d'une catégorie inférieure que de catégorie supérieure, de leur catégorie, parce que généralement les poids lourds, ils sont lourds, ils vont pas vite, mais lui, il allait très vite pour les lourds. Et c'est ça, ça a été une de ses grandes qualités et une grosse difficulté pour ses adversaires. Et dans les lourds, il n'était pas assez costaud. Vous avez vu en face de lui, George Foreman, vous avez Ken Norton, c'était des bâtiments. Alors, son problème, c'est qu'il se déplaçait très vite. Et là, les lourds, pour le toucher, c'était un autre problème. Là, c'est comme ça qu'Ali a dû construire sa carrière. Très intelligent, il anticipe. Généralement, les lourds, même ici, quand j'ai des grandes catégories, c'est des gens qui frappent fort, mais peu intelligents sur le ring. Mais lui, il cumulait. Quand je vois un lourd, ils sont très peu intelligents par rapport aux jeunes catégories sur un ring. Mais lui, il boxait en fonction de l'adversaire. Et ça, c'est pas donné aujourd'hui. S'il a un boxeur qui frappe, qui est très puissant, qui se déplace pas, il va boxer en fonction de lui. Et quand je l'avais vu boxer George Foreman, tout petit, à l'époque j'avais 14 ans, et je venais de commencer la boxe, et moi j'étais convaincu que le combat était truqué. Je comprenais pas qu'un homme aussi fort, et un autre devant lui qui frappe pas fort, tout. Quand j'ai rencontré Foreman, et moi, c'était resté dans ma tête. C'était 10 ans après, j'ai rencontré Georges et je lui ai dit, mais ton combat a été truqué. Il m'a dit, non, assieds-toi. Et je vais te dire. Il m'a dit, non, il m'a battu proprement. Tu peux revisionner le combat. J'ai dit, il a mis le combat à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Il a remis le combat et on a suivi. Et il dit, regarde, il m'a bien battu. Il n'y avait rien à truquer. Et c'est en voyant le combat Mohamed Ali contre George Foreman contre Ken Norton, que j'ai compris
la stratégie qu'a utilisé Mohamed Ali. En fait, George Foreman était très fort, mais il n'était pas endurant. À partir du quatrième round, il s'essoufflait. Donc, j'ai vu son combat contre Ken Norton. À partir du quatrième round, c'était plus la même puissance. Et à la fin, il devait être battu. Mais on a arrêté le combat et on a disqualifié Ken Norton. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, son prochain combat, Mohamed Ali a vu et a compris que celui-là, il était fort, mais pas endurant. Et c'est ce qu'il amène ce qu'il a, à dire que... Il a exploité, il a amené jusqu'au huitième round. Il était tout épuisé et il a descendu. Donc c'est en fonction de son adversaire. Voilà. Avant de poursuivre cette partie consacrée au débat, on va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire. Et on se retrouve juste derrière. Pour atteindre mes objectifs et accroître ma productivité, cela exige de la concentration et de l'énergie. Je suis un bosseur, mais j'avais du mal à relever mes challenges. Jusqu'au jour où j'ai découvert les griffes Scarface. Depuis, plus rien ne m'arrête. Je suis devenu maître de ma vie. Mes amis vous le confirmeront. Scarface, c'est le seul pouvoir qui se partage. Yeah. Exigez Scarface, partagez et imposez vos marques. Scarface, à vous le pouvoir. Merci évidemment à Scarface, notre partenaire qui nous accompagne chaque semaine. Alors après la réaction du coach Monyemo, je voudrais bien, Joël Etienne Atanganavo, aussi votre lecture par rapport à Mohamed Ali, le sportif. Mohamed Ali, le sportif, le coach a bien expliqué tout à l'heure cette capacité qu'avait le sportif, cette capacité qu'avait l'athlète de varier sa tactique, ses stratégies en fonction de ses adversaires. Et l'ensemble des commentateurs, y compris Mohamed Ali lui-même, on lui a donné un nom. C'était la stratégie du papillon, butterfly. Ouais. Il vole comme le papillon. Il vole comme un papillon. Il pique comme l'abeille. Il se déplace comme un papillon. Pour dire quoi? Pour dire que Mohamed Ali, qui est célébré à l'âge, à partir de 18 ans, comme étant l'un des plus jeunes champions, nous invite également à comprendre un certain nombre de choses qui sont situées dans l'Amérique profonde. Parce que cet athlète qui arrive aussi performant à 18 ans, autant pour moi, doit également inviter à comprendre la société dans laquelle il a été façonné pour arriver à ce niveau de puissance à l'âge de 18 ans. Ce qui signifie, ce qui va justifier plus tard son engagement. Il s'agit d'une société qui ne lui a pas donné beaucoup d'autres chances pour faire autre chose en dehors de ça. Mohamed Ali aurait bien pu finir comme ces millions d'Africains américains qui n'ont pas pu convertir l'ensemble de ses énergies dans plusieurs disciplines. Mohamed Ali est celui-là qui a eu une pensée juste de ne pas se livrer à un certain nombre de dérives dans une société multiraciale, raciste, une société qui ne donnait pas beaucoup de chance aux populations de couleur. Mohamed Ali a su convertir cette force, cette énergie au service d'un sport, au service d'une cause, au service d'un engagement. Pour dire quoi? Pour dire que l'engagement citoyen de Mohamed Ali, s'il faut comme petit engagement aujourd'hui, est un engagement qui doit nécessairement être lu sur un certain nombre d'angles, sur un certain nombre de paradigmes, et qui doit, dans une moindre mesure, inspirer et interpeller beaucoup d'autres sportifs dans des domaines aussi différents que celui du football, celui de la boxe, celui de l'athlétisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quand même, vous parlez de cette Amérique de l'époque, ségrégation, c'était pas du tout facile pour les Noirs, et avec un
champion pareil, grande gueule. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas dérangé que peut-être l'Amérique à ce moment-là aurait souhaité avoir un champion un peu humble et aussi parce qu'on a quand même vu la réaction lorsqu'il refuse de partir à la guerre, ça a provoqué tout un tollé, il a dû passer devant les tribunaux. Est-ce que ça aussi, parfois, ça n'a pas, comment je vais dire ça, ça n'a pas contribué un tout petit peu la question m'échappe. Parce que bref, l'Amérique n'aurait pas souhaité avoir un champion assez humble. Pour répondre à cette question, je dirais que le champion que l'Amérique célèbre aujourd'hui est un champion qui est le résultat de la société américaine. Mohamed Ali est le reflet de la société américaine. Pourquoi? Tout à l'heure, vous avez mentionné sa première médaille olympique à l'âge de 18 ans. Oui. Et vous avez mentionné un événement majeur, le refus pour Mohamed Ali d'aller à la guerre du Vietnam. Mm. Mohamed Ali refuse d'aller à la guerre du Vietnam en 1964. Et un an avant, en 1963, Mohamed Ali change d'identité. Ouais, à 22 ans. Il cesse de devenir Cassius Clay, qu'il dit être un nom qui a une origine des esclavagistes, etc. Il passe de Cassius Clay à Mohamed Ali. Et lorsqu'il fait cette mutation d'identité, Mohamed Ali n'adhère pas à n'importe quoi. La mutation est favorisée par la Black Muslim. Ouais. La Black Muslim, à l'époque, qui était dirigée par Elijah Muhammad et qui était animée par Malcolm X. Et pour tout observateur qui a eu à regarder de loin ou de près l'ensemble des mouvements antiségrégationnistes en Amérique, d'un côté, on avait les non-violents qui étaient pilotés par le révérend King. Et de l'autre côté, on avait l'extrême droite qu'on taxait à tort ou à raison de radical qui était piloté par Malcolm X. À partir de ce moment, celui qui sait qui était la Noy, la nation de l'islam, celui qui sait qui était la Black Muslim, ne peut pas s'étonner de la trajectoire de ses discours, et même de ses positions, parce qu'il reste ferme là-dessus, il ne bouge pas. De ses positions. Rappelez-vous, lorsque Mohamed Ali dit non à la guerre en 64, il y a eu également une intervention de Malcolm X. Malcolm X réagit. Et d'ailleurs, Mohamed Ali lui dit, un Vietnamien ne l'a jamais appelé nègre. Il ne sait pas pourquoi il doit aller en guerre contre les Vietnamiens. C'est les Américains qui l'appellent nègre. Mm-hmm. Voilà sa défense. C'est comme ça qu'il s'est défendu. Il n'a jamais eu des insultes de part des Vietnamiens. Ouais. Ils ne l'ont jamais traité de nègre. Pourquoi il devait aller combattre contre les Vietnamiens? Mm-hmm. Donc voilà un peu, c'est une parenthèse. Mm-hmm. Et lorsque Malcolm X réagit sur les propos, Malcolm X est clair. Il dit, pourquoi aller chercher ailleurs la paix que les Américains n'ont pas pu instaurer aux États-Unis. Voilà comment il résume la situation. Pour dire quoi? Pour dire que Ali, lorsque vous lisez son autobiographie, un certain nombre d'éléments, il le dit clairement que plus tard, pour lui, la boxe s'est révélée tout simplement comme étant un tremplin qui lui a permis de défendre une cause. Quelle était cette cause? Cette cause était une cause qu'on ne doit pas réduire à la simple lutte contre la ségrégation, il s'agissait d'une cause pour l'égalité des races, une cause pour la dignité humaine, une cause pour la noblesse de l'homme. Et je voulais dire, et on croit qu'il est venu, il a fait un seul combat en Afrique, non? Il a fait deux combats en Afrique. Celui de Kinshasa, et il a boxé Bassoum Kalo, qui était champion d'Europe et classé mondialement. Il a boxé avec Bassoum Kalo en 8 rounds au Maroc. Qui a été déclaré match nul. C'était un match de talent. Il boxait en Afrique avec un Africain. Ouais. C'était contre Bassoum Kalo, un Malien. Ouais. Donc ça, je voulais juste Merci rappeler. Merci pour la précision. Alors, forcément, Albert Atangana Fouda, vous qui êtes journaliste depuis plusieurs décennies, vous avez sans doute aussi suivi
Mohamed Ali, la boxe, sa cause, ses prises de position, sa grande gueule. Tout à l'heure, le coach parlait de son style, sur ses déplacements rapides et tout ça. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'on a tort de dire que c'est le meilleur de tous les temps? Ben, je crois que côté le côté Mohamed Ali, défendeur des causes, je crois que le professeur l'a si bien décrit, a tout dit là-dessus. Moi, j'ai connu, quand j'étais tout petit, quand je commençais à faire la presse sportive en 73-74, avec ce combat à Kinshasa, tu vois, il n'y avait pas de télé ici chez nous, c'était la radio, on suivait ce combat avec beaucoup d'émotion, parce que venir Mohamed Ali, qui déjà était pour nous une sorte de référence, pour eux, surtout avec la défense, les causes qu'il défendait, tout le tiers monde était pratiquement acquis à sa cause. Donc nous tous, on le connaissait, et avec sa grande gueule, qui certainement, le coach Mohamed ne l'a pas dit. Parce que quand tu embêtes tes adversaires, même sur le ring, c'est une manière, tu as dit que tu as déjà... tu les déstabilises. Provocateur aussi. Hein. Tout à fait. Même en boxant, il continue à provoquer l'adversaire. Donc, j'ai donc connu ce Mohamed Ali là, qui était comme vraiment une sorte d'icône de la boxe pour nous, tout petits. Et le fait qu'il vienne en Afrique, parce que venir boxer tout simplement, je crois que le professeur aurait dû s'étendre là-dessus, c'était aussi comme un symbole. Quand il vient boxer ici en Afrique, deux Américains qui viennent boxer en Afrique, et surtout dans le pays l'ex-président Mobutu, c'est un africaniste qui a décidé de changer de nom, de changer tout, de devenir vraiment un traditionnel. C'était comme une sorte de symbole, et le fait qu'il ait gagné représentait beaucoup pour l'Afrique et pour le tiers-monde. Vous vous souvenez, hein, c'est comme ça. Lorsque le Cameroun, en 90, a arrivé en quart de finale, c'est tout le tiers-monde qui était derrière nous. C'était un peu ça, Mohamed Ali. Mais j'ai dit, Mohamed Ali, c'est vrai, le coach n'a pas... Quand on parle des grands boxeurs dans ce monde, il y a aussi joué lui. Joué lui qui il n'a même plus d'adversaire. Ouais. Personne ne voulait plus boxer contre lui. Pourquoi? Il était lourd, comme il battait tout le monde très vite. Ouais. Les gens perdaient leur poids pour devenir mi-lourd. Lui aussi, quand il perdait le poids pour trouver des adversaires, les autres... Allez dans le sens inverse. Il y a eu des boxeurs, des grands boxeurs mais différents de Mohamed Ali, qui lui enthousiasmait, c'est-à-dire c'est l'un des boxeurs les plus populaires, parce que évidemment il arrive au moment où il y a ce phénomène de la mondialisation, la communication, parce que tout cela ça joue. Quand on parle aujourd'hui de Thomas Kono, Coupe du Monde 82, il n'y a pas la télé partout en Afrique, et ils auraient dû avoir la même aura que était aujourd'hui s'il y avait eu la télé à l'époque. Ouais. Donc, nous, on a la télé en 85, donc on commence à suivre tout ça, et ça nous marque beaucoup. Donc, j'ai dit, Cassius Clay, qui meurt à 74 ans, c'est quelqu'un qui a marqué le monde entier. Ouais. C'est les Américains, tout d'abord, le tiers-monde surtout, nous les journalistes bien sûr, parce que vous savez, on était à la recherche de ce genre d'événements, de ce genre de champions qui faisaient vendre. Et quand il commence à parler, il est difficile de placer un mot, hein, de placer une question. Hein. Tout à fait. Donc... C'est ce que j'ai gardé de Mohamed Ali. Oui, il faut souligner aussi que c'est avec Mohamed Ali que l'argent
viens à la boxe. Mm-hmm. Quand on commence à gagner, les boxeurs commencent à gagner beaucoup d'argent dans les combats professionnels. Ouais. À commencer à Kinshasa, où ils avaient 4 millions de dollars chacun. Avant ça, il n'y avait jamais... Comme à 10 millions. Hein, Il n'y avait jamais eu autant d'argent dans la boxe qu'avant ce combat. Donc, à partir de ce moment, les Don King qui avaient... Ils ont cherché plus d'argent et au fur et à mesure, les boxeurs se sentaient plus valorisés. Ouais. Et c'est comme ça que la boxe a pris une autre ampleur, une autre dimension. Parce que l'argent, quand l'argent entre, les gens ils s'y intéressent. Donc, je pense que Mohamed Ali doit rester aussi comme celui qui a apporté le gain. Au sein du noble art. Alors, une réaction aussi, Anas Mabouka. I can just say that it was so sad for me too. But it was also people, when people that look at that is sick for long time. Yes. That was a, more or less everybody know that one day is going to pass away. Yeah. I think what everybody say in the panel is right, because it changed a lot of things about the way people today they earn money in boxing because of what that man he did. And then he was just someone who, when he come to fight, he's going to tell you what he's going to do in the ring to fight with you. Yes. And then he was someone who he never said that I'm going to lose again. I'm not going to lose. He was a winner. Mm-hmm. And then he changed a lot of things in America. If you look at from day one, when he start winning, 18-year-old winning something, then you can see all the sport in America, an 18-year-old can be a world champion. I think it changed a lot of things, it changed the way of doing. When it comes to box today, people don't know how to defend themselves, but not like him, because it was different. I don't think it was one boxer in the world who can move and quick in the ring like him. Then when you look at today, someone like Mayweather, I can tell you that he always talk about him. You know, he always talk about him because at the end of the day, all of them, when they come, what bring them to box? To do box because of Ali. I think everybody is sadly... I think we won't have another icon like him. Mm-hmm. But I think people, they will remember that they have someone like him because... He changed a lot of things in a lot of people's lives. Mm-hmm. Il a changé pas mal de choses. Et d'ailleurs, Barack Obama disait que le monde a été meilleur avec lui, Joël Etienne Atango. Alors, aujourd'hui, s'il faut peut-être aborder la question de l'héritage en matière de boxe aussi, en matière de défense de cause, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Bon, le coach est peut-être mieux placé pour parler de l'étage du sport. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialiste de la boxe. Pour j'en la sais pas mal la boxe. Mais je vais peut-être parler de l'héritage politique. Ouais. L'héritage politique de Mohamed Ali. Le grand frère Atanala a souligné tout à l'heure. Lorsque Mohamed Ali vient avec Foreman en 74 au Zaïre, pour certains observateurs, ce n'était pas une surprise. Il s'agissait tout simplement d'une réconciliation avec leur berceau d'origine. Pour une raison simple, parce qu'on dit Mohamed Ali, mais il faut mentionner qu'il y a X devant, leur nom, devant son nom. Il y a un élément qu'on oublie. Parce que tous les adhérents, tous les membres de la Black Muslim avaient l'obligation d'avoir un X comme inconnu. De leur identité africaine. Et ce n'est que lorsque chacun avait trouvé ses origines qu'il avait le droit d'effacer le X devant son nom. Et le Zaïre, à cette époque-là, dans le cadre des relations internationales, était considéré pour beaucoup comme étant le centre de l'Afrique, comme étant l'incarnation de l'Afrique. Ouais. Parce qu'on le souligne ici, on dit le combat a coûté 10 millions de dollars. On ne mentionne pas suffisamment assez que ce combat avait été entièrement financé par le président Mobutu. Ouais. Intégralement. Ouais. Y compris certaines sommes
non officiels qu'on ne donne pas ici, au niveau de l'accueil, au niveau des grands membres de la W Boxing Association qui étaient venus au Zaïre des semaines en avant pour préparer. Oui, quoi. Il y a eu même un report, on a même reporté le combat et là continué à les entretenir. Voilà. Mmh. Merci pour la précision. Et ça a un coût. Ouais. Pour dire quoi? Pour dire que l'affiche de ce combat était suffisamment parlant, un cadeau du président Mobutu au peuple africain. Ouais. Mohamed Ali, au niveau de l'héritage, on va tout simplement souligner que Mohamed Ali laisse un héritage lourd qui n'est pas facile à porter pour un certain nombre de sportifs aujourd'hui. Mohamed Ali est celui-là qui a su se mettre au-dessus des mirobolantes sommes d'argent que rapportaient les combats, au-dessus du prestige, au-dessus de sa stature, au-dessus des retombées économiques en termes de publicité, au-dessus de son identité américaine, pour se mettre au service d'une cause. Et Dieu seul sait que lorsqu'on se met au service d'une cause, il y a un certain nombre de sacrifices qu'on doit consentir. Et ces sacrifices aujourd'hui se lisent également d'une façon ou d'une autre, à travers un certain nombre de problèmes physiques. Le coach l'a souligné tout à l'heure. Mohamed Ali était l'un des rares boxeurs à avoir boxé trois fois, ouais, une même année. Reconquérir le titre. Ce n'est pas facile du point de vue physique, ouais, au niveau de la santé de l'athlète. Mohamed Ali a fait ce sacrifice. Mohamed Ali a eu à payer ce prix pour dire aux gens qu'il y a des causes qui en valent la peine. Et quel que soit l'ensemble des moyens que vous avez, tant que ces moyens ne sont pas mis au service d'une cause, il vous est difficile d'entrer dans la postérité telle qu'il l'a fait aujourd'hui. Donc, héritage très lourd, parlant de l'héritage politique. Maintenant, sur le plan sportif, coach. Oui, je veux dire, je ne saurais ici énumérer. Est-ce que c'est possible d'avoir encore ce genre de combat sur les rings, avoir un champion pareil? Oui, il y a les difficultés parce qu'il faut savoir d'où venaient ces champions. Oui. Et pourquoi on n'a plus ce genre de champions maintenant? Ces champions des poids lourds étaient presque tous des champions olympiques. C'est-à-dire que Mohamed Ali est champion en 60, médaille d'or. Après George Foreman en 64. Joe Frazier, qui suit, c'était des champions olympiques des poids lourds qui se succédaient et qui devenaient professionnels et faisaient le grand moment de la boxe américaine. Mais il y a eu une coupure, il y a eu une cassure. La cassure vient des Cubains, Teofilo Stevenson, qui vient immobiliser cette catégorie, confisquer cette catégorie. Il est champion du monde, il est trois fois médaille olympique. Après, il passe à son frère Savon, Félix Savon, qui reste aussi trois fois médaille olympique. Donc, les Américains disparaissent de cette catégorie en poids lourd. Et voilà pour. Et comme les Cubains restaient toujours amateurs, voilà pourquoi on n'avait plus eu de boxeurs de grande qualité jusqu'à ce qu'apparaisse Tyson. On avait eu Lennox Lewis parce que c'était un champion des poids lourds, mais anglais. Mais les Anglais n'avaient pas assez de fortune pour mettre à la disposition comme les Américains le faisaient pour leurs champions. Donc, c'est ce qui a fait disparaître un moment la qualité des champions des poids lourds jusqu'à aujourd'hui. Après, les Russes ont pris le relais. Donc, et ce n'est pas des gens qui sont très avancés dans ce professionnalisme de boxe. Et c'est pour ça que ça s'est endormi un instant. Nous pensons que, comme ils sont tous devenus des capitalistes, ça va reprendre son cours et on aura des bons champions. On aura encore à discuter. Est-ce que je veux encore dire comme héritage, c'est ce que Mohamed Ali. Vous savez, les combats finissaient en 15 rounds. C'est revenu à 12 rounds. Mais lui, il a été l'un de ceux qui sont battus pour que ça revienne à 12 rounds. Parce qu'on a constaté effectivement que toutes les blessures qui arrivaient, c'était à partir du 13e round, la fatigue. Et c'est comme ça que les gens avec des blessures finissaient très mal. Mais jamais avant 12 ans, on a donc, il était de ceux qui ont milité pour que les combats, le titre soit à 12 ans. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelqu'un qui, même sur le plan physique, sur le plan santé, a milité pour
pour la boxe. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je vais m'adresser à vous, Joël Etienne. Toujours par rapport à cet héritage, est-ce que c'est possible d'avoir encore des champions comme Mohamed Ali? Partant du fait que le contexte n'est plus le même. Tout à l'heure, vous soulignez la cause et qu'il ne fallait pas être surpris justement de voir cet engagement-là de Mohamed Ali plus tard. Aujourd'hui, ce n'est plus le même contexte. Le contexte n'est plus le même. Mais il faut aussi dire que Ali était unique. Parce que nous avons certains contextes, parfois qui s'y prêtent et qui peuvent permettre qu'on engendre cet engagement au niveau d'un certain nombre de sportifs. Ce qu'on peut tout simplement dire, parce que ça également à votre question, un autre problème, c'est que vous voulez à tout prix qu'on donne des noms en disant il y a tel. Pour nous, la tâche est difficile à l'état actuel de la chose. Le dit serait exagéré aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde le parcours atypique de Mohamed Ali, en tant que manière de vivre, en tant qu'homme sportif, en tant qu'homme politique, il est difficile de dresser un portrait robot à l'état actuel d'un sportif qui peut s'engager au niveau de la cause. Parce que lorsqu'on jette un regard, c'est le chemin inverse. Ce sont les organisations internationales porteuses de causes qui adoubent un certain nombre de sportifs. De sportifs, de plus en plus. Voilà. Oui. Donc, le chemin inverse est de plus en plus difficile. On l'a vu peut-être lors de la dernière Coupe du monde au Brésil, avec les coups de gueule de Romario, dénonçant les conditions difficiles de la vie des Brésiliens dans les bidonvilles et tout le reste. Mais aujourd'hui, le code l'a dit, le capitalisme libéral a resserré les taux tels qu'un certain nombre de sportifs, même s'ils sont volontaires, même s'ils le veulent, même s'ils le font en back-office, ont de plus en plus du mal à s'afficher. Parce qu'il s'agit d'une industrie complexe qui engrange beaucoup d'argent et qui peut également attirer en retour, pour ceux qui veulent la mettre en péril, un certain nombre de risques et un certain nombre de dangers. Donc pour dire, pour moi, Mohamed Ali reste un sportif, reste un homme engagé, atypique, qui peut inspirer plus d'un sportif, mais il sera difficile pour ces sportifs-là de nous reproduire le même modèle. Difficile et impossible, coach Mabouka. Oui, je peux vous dire que oui, parce que quelque part, quand vous regardez la boxe avant et la boxe aujourd'hui, différent. Regardez un gars comme Mayweather qui sait que si j'essaie de mettre l'argent pour moi, d'être moi-même challenger des autres, je vais faire beaucoup d'argent. Donc, ce qui veut dire que la boxe a un peu changé parce qu'il est seul, il est promoteur de beaucoup de boxeurs. Il a trouvé que si je le fais, je vais contrôler le monde. Le monde de la boxe a changé aussi. Quand vous regardez ce qui se passe maintenant à la boxe, c'est que Mayweather essaie d'arranger tout à sa faveur. Et là, vous allez voir que ça ne pourra pas être comme avant. Avant, c'était quelqu'un qui venait comme Ali. Il savait que j'ai mon adversaire, je m'en vais battre ce monsieur pour que j'ai de l'argent. Et qui faisait que tout le monde qui venait était satisfait parce que ce monsieur était l'un des plus grands boxeurs qu'on ne verra plus. Et quand vous regardez aujourd'hui, il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui. Et un monsieur qui allait boxer, qui savait que si j'essaie de dire 1, 2, 3 à qui que ce soit, je vais gagner ce combat, et il le faisait. Aujourd'hui, on trouve quelqu'un, parce qu'il a les moyens, il essaie de contrôler tout. Quand vous parlez de la boxe avant et aujourd'hui, c'est différent. Et quand on regarde les champions, on ne peut pas dire qu'on pourra avoir des champions comme Ali. Parce que ces champions, ils viendront d'où? Et quand vous regardez aujourd'hui, tous ces boxeurs se retrouvent par moments dans les barreaux, avec beaucoup de problèmes. Et quand vous regardez Ali n'a pas eu à faire ça. Il a eu une vie de famille et quelqu'un qui était respectueux n'a pas essayé de faire une vie comme on disait avant, que aujourd'hui on trouve un boxeur qui boxe quelqu'un dans un club et parce que je suis champion et tout ça là. Et je crois que ce qu'il a fait et ce que les autres font aujourd'hui, c'est une différence et que beaucoup
ont appris beaucoup en ce qui concerne la boxe. Et beaucoup sont riches aujourd'hui parce qu'ils ont vu que voilà ce qu'il a fait. Nous, on amène un peu plus d'intelligence de faire notre argent. Donc, pour avoir les champions comme Ali, je ne crois pas. Je pourrais dire autre chose là-dessus. Allez-y, Albert. Pour moi, il y a deux raisons là maintenant pour ne pas avoir les boxeurs de la même dimension. Il y a deux raisons sur le plan technique et sur le plan organisationnel. À l'époque, on avait deux écoles, une école russe et une école américaine. Voilà les deux grandes écoles de boxe. La méthode d'apprentissage chez les Russes, c'est la méthode analytique. Vous faites la même chose. Tout le monde fait la même chose. C'est classique. Chez les Américains, c'est une méthode globale. On vous lance tous et on retire les meilleurs avec leur style. Donc, quand vous placez les deux sorties des deux écoles, vous avez un boxeur classique russe qui boxe en ligne, qui n'est pas spectaculaire. Mais vous prenez un Américain, il danse sur le ring, il frappe, il fait ce qu'il veut. On l'a pris du temps. On lui a juste dit, voilà les parties essentielles pour frapper, et il va. Il utilise la défense comme il veut, il reste dans les règles. Il danse comme il veut. Mais chez les Russes, c'est stéréotypé, vous devez faire ça. C'est pour ça que leur boxe n'est pas spectaculaire. Et pendant très longtemps, on a donc, comme j'expliquais, on a eu des Cubains qui étaient champions, c'est l'école russe. On a eu des Russes et ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent pas donc faire une boxe spectaculaire qui attire le public. Ils sont des champions, mais classiques. C'est pour ça que ce n'est que plus tard que Tyson apparaît et tout le monde repart à la boxe pour regarder la boxe parce que Tyson vient avec une méthode spectaculaire. Donc ça, c'est des écoles. Maintenant, les écoles-là, tout est devenu mondial. Toutes ces écoles-là se mixent maintenant. Et je pense que d'ici peu, on aura encore des bons boxeurs qui sortent des deux écoles et qui vont faire une boxe assez disciplinée et spectaculaire. Là, c'est de ce plan. Ça, c'est sur le plan technique. Ouais. Maintenant, sur le plan organisationnel. Avant, on avait des patrons au-dessus des organismes, comme Don King. Tout le monde l'écoutait. Mais maintenant, d'autres se sont montés avec la mafia russe, avec tout ça. Ils sont dans la boxe maintenant. Leur problème, c'est l'argent. C'est gagner de l'argent. Donc, vous pouvez avoir de très bons boxeurs, mais qui ne sont pas dans les réseaux, ils ne vont pas arriver au sommet. Vous comprenez? Ils vont être très éloignés du classement jusqu'à ce qu'ils soient dans le réseau pour arriver. Je peux vous montrer un exemple simple. Ndam boxe Damasan, le Camerounais. Il boxe au Canada pour le titre mondial. On sait que son contrat, il signe pour un ring, un grand ring, grande dimension. Quelques semaines avant, son manager meurt. On le fait boxer dans un ring tout petit. Parce qu'il se déplace. Maintenant, on met un frappeur, il n'a plus moyen de se déplacer. Il est coincé, il ne peut plus faire sa boxe. Il est battu. Ça, c'est la mafia. Parce qu'on lui dit... Son stratégie... Tu te ranges avec nous, tu perds le combat. Et à la fin, on lui propose d'intégrer l'équipe de la OEA. Donc voilà des trucs maintenant. Il n'y a plus de gros patrons dans l'organisation des combats. Quand il y avait des hommes forts, comme donc qui s'y intéressaient, et la mafia était un peu réduite. C'est pour ça que maintenant, on n'arrive pas à avoir des excellents boxeurs. Il y a des boxeurs, mais ils ne sont pas dans les réseaux. Et ils ne peuvent pas arriver au sommet. Voilà un peu une deuxième raison. Il y a beaucoup de contrôle maintenant. Oui. Mafia russe. Mais, je crois que l'exemple, comme l'a si bien dit le coach, l'exemple de notre compatriote Jean-Marie Mébé, qui avait refusé parce qu'il était très fort, très puissant, et il était sûr de lui-même. Il avait refusé d'intégrer le camp de Don King. Don King lui avait dit, ok, je te souhaite bonne chance. Mais chaque fois qu'il avait un grand combat pour le titre, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on le batte, soit qu'on le dopait, avec, je ne sais pas comment ça s'est passé. On l'a disqualifié. Voilà, donc c'est ça le contrôle de l'organisation. Maintenant, concernant l'héritage de Mohamed Ali... Vous êtes aussi sceptique Disons que
Il n'y a pas que au niveau des boxeurs. Il y a beaucoup d'artistes, même des chanteurs qui soutiennent certaines causes. Mais sans le même effet, le professeur ne veut pas citer de nom. Mais moi, je dis, c'est vrai, il a dit que le capitalisme libéral est tel que les taux se resserrent sur tous ceux qui veulent être en marge. Vous avez vu ici, dès que Roger Milla a dit « Je suis contre la manière dont le football est géré », on l'a sorti de la Fédération Camerounaise de football. Dès que toi dis « Je ne suis pas d'accord la manière dont la FECAFOOT est gérée, le football camerounais est géré, comment les footballeurs sont gérés », il y a eu beaucoup de suspensions, il y a eu pratiquement un rejet. Donc, c'est malheureusement, et non pas la carrure ni l'aura de Mohamed Ali. Et le contexte est différent. Donc, je dis, Mohamed Ali a laissé un héritage qui, de manière inconsciente ou indirecte, est quand même porté par certains artistes, tout genre confondu. Malheureusement, ça ne porte pas de la même manière. C'est un peu ça. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec le groupe le plus fort, vous êtes écrasé. Mais aux États-Unis, personne n'a écrasé. On a cherché à l'écraser, puisqu'il a été déchu de son titre. Il a repris à zéro. Il est revenu au sommet. Il est resté super, moi. Oui. Donc c'est différent aujourd'hui. De porter véritablement l'héritage de Mohamed Ali. Je voudrais, la permission de Tiku qui a la réalisation, avoir conçu un peu cet extrait de son combat en 1974 en République démocratique du Congo à Kinshasa. Est-ce qu'on peut suivre ça en... Look at this now as they stare. Muhammad Ali beginning to talk to George Foreman. They're really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Look at the stare on George Foreman. Look at Ali give him the word. So the stage is set. We're just about ready to begin. Round one, the heavyweight championship of the world at stake. To stop Ali. Here we go. Ali quickly across the round. And Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Oh, what a combination landed by Ali to the face of George Foreman. Look at Ali. Continues to talk and talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad Ali. Vicious right thrown to the body of Ali. Wild right misses the head of Ali. Foreman wailing away. And Ali says that that defense stops. Gives some real good shots to the body. Setting him up against the wall. What a vicious pass combination by Ali. Ali got it. Backs up Foreman. Backs him up in his tracks. Foreman setting it. Foreman finds him. Ali falls to the right. Foreman gets back on the left. Foreman hit again. Foreman has been hit three or four times. This is a wild left hand. Ali shot. There's the chant. Ali. Tactic of Ali to let the man punch himself out. Voilà. Coach, beaucoup d'émotions en regardant ce combat de 74. Ouais, je disais, Georges, pour moi, reste le meilleur frappeur de tout le temps des poids lourds. Il a une masse et son combat contre Frazier,
parce que les deux avaient la même boxe et Mohamed Ali avait dit il ne veut pas qu'il y ait ce combat parce que Sean Schwab très grand, Frazier plus petit, mais ils ont la même manière de boxer, ils s'avancent et ils frappent. Alors là, Georges, c'était un monstre. Et Frazier a accepté le combat. Il est allé au tapis en un round 6 fois. Vous imaginez. Donc, quand je le vois contre Mohamed Ali, il y a d'abord 10 ans de différents écarts. Il a 34 ans. Quand Georges, vraiment, a 20 à 24 ans. Il est plus jeune, il est plus fort. Mais Ali a plus d'expérience. Il a épuisé, il a fatigué et il a écroulé. Simple à voir, mais trop de risques qu'il prenait. Parce que, connaissant la puissance de la frappe de Georges, prendre son coup même à bout de gants, même en bout de course, c'est pas du gâteau. Voilà. Donc, félicitations pour Ali. Voilà. Peut-être avant de continuer, vous parlez de Georges. Vous êtes venu avec une petite photo, Gaston et Sono. J'aimerais bien qu'on puisse regarder cette photo. Là, c'est le coach Mounyemo et à côté, Georges Foreman. Racontez-nous un peu l'histoire de cette rencontre. Oui, après le retour des Jeux Olympiques 84, Ondongo Ibanga, mon coéquipier, avait été médaillé de bronze. Donc, l'ambassade des États-Unis a décidé de faire venir chez nous Georges Foreman pour qu'on puisse travailler ensemble. Et après ça, on a fait partie de l'équipe du Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun pour Fort Bragg pour 6 semaines de stage. Donc il y a eu un temps d'échange avec les Américains et les stars américains, ça pour nous amener à ressembler à ces grands champions. Et je pense qu'on a eu assez de champions du monde jusqu'à présent. Donc, ça nous avait vraiment motivés à devenir comme ceux-là. Bon, moi, j'avais une courte carrière à cause de l'école. Je n'ai pas pu aller plus loin. Et vous savez, chez nous, c'est très difficile d'associer sport et études. Donc, période d'examen, il y a compétition, championnat, vous ne pouvez pas. Donc, il faut faire un choix. Vous avez parlé de quoi avec Georges Foreman? En fait, à la première rencontre avec Georges, comme disait tantôt, je parlais toujours de son combat avec Mohamed Ali, ce combat que nous venons de voir. Et au départ, j'ai cru que ce combat était truqué. Avec l'œil d'un jeune, j'étais tout petit. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a dit non, il m'a bien battu. Il m'a bien battu et on a regardé le combat avec l'œil d'un champion. Et je passais déjà pour être coach après, parce qu'à l'époque là, j'étais en formation pour être enseignant d'éducation physique. Donc j'avais déjà un autre regard et j'ai constaté effectivement que Mohamed l'avait amené à l'épuisement et il a juste achevé. C'était un combat à la loyale. Oui, non, c'était à la loyale. Il a gagné proprement George Foreman. Donc on a échangé pendant 6 semaines. On a travaillé, on a fait des sparring. Sparring, c'est prendre les gants, travailler ensemble pour... Voilà. Donc, c'est ça l'histoire avec Georges dans les années 85. Merci bien. Albert Atanganafuda, est-ce que la boxe détruit ces héros? Mohamed Ali, depuis plus de 30 ans, luttait contre la maladie de Parkinson. On se souvient aussi qu'avant, il y a eu Joe Louis, on en parlait sur ce plateau, qui avait le cerveau atteint lorsqu'il décède en 1981. Ray Robinson, atteint aussi par la maladie d'Alzheimer, il mourut quelques années plus tard. L'un des challengers de Mohamed Ali, Jerry Quarry, qui n'avait plus toute sa tête pratiquement. Aussi lorsqu'il décède en 1999, est-ce qu'on peut faire le lien de fait à cause à effet? Sans être médecin de sport, je crois que logiquement, lorsque vous, le coach Mounyemo a parlé tout à l'heure des matchs qui se déroulaient jusqu'au 15e round, et qu'après, à partir du 13e round, c'était la fatigue qui, donc, les deux boxeurs prenaient des coups à la tête, n'importe comment. Et même lorsqu'on a ramené à 12 rounds, lorsqu'on voit un combat comme celui de Mohamed Ali Foreman, mais avec la puissance des coups tels que je les ai vus là, ça détruit effectivement l'homme. Et comme
pour mettre l'adversaire KO, c'est des coups à la tête, des percutes dans toute la tête. Et forcément, après plusieurs années, il y a des répercussions, il y a des conséquences néfastes. Donc, c'est pour ça. Non, la boxe détruit forcément. C'est vrai que Mohamed Ali, j'ai vu plusieurs de ses combats. Il était difficile de le toucher à la tête parce que, comme il disait qu'il était voltigeait comme un papillon, donc sa qualité, c'était l'esquive. Hein, il reculait et il esquivait beaucoup tous les coups qui venaient sur son visage. Et lorsqu'il répliquait, c'était beaucoup plus l'adversaire qui écopait. C'est pour ça qu'il a gardé vraiment. Quand vous voyez ses vraies formes en après, comme les Américains savent faire le lifting du visage, mais lorsque vous voyez Foreman sur le ring, hein, il ressemble à un gorille très affreux, mais alors que Mohamed Ali, qui est plus âgé que lui de 10 ans, a l'air plus jeune, plus frais. C'est pour dire que lorsque vous boxez et que vous ne faites pas attention, prenez beaucoup de coups sur la tête et à la tête et les côtes, ça fait mal. Et c'est vrai, on a beau dire que le sport, quelqu'un a fait cette analyse aujourd'hui, curieusement, c'est les boxeurs, les sportifs qui tombent d'AVC, tombent de CC, alors que tout le monde sait que... C'est Charles Mouyemé qui a mis en pause exactement, là-dessus. Tout le monde s'est dit qu'avec le sport, normalement, on n'a pas de mal cardiaque, on n'a pas de tout ça. Mais je crois que la boxe, quoi qu'on dise, détruit effectivement l'homme. Coach Anes Mabouka, c'est la même lecture. Je crois que le coach, M. Fouda, a tout dit. Et quand le coach a rappelé tout à l'heure que les gants qu'on utilisait au temps de Mohamed Ali avaient fait puisque c'était petit, ça peut beaucoup dire. Et je crois que quand vous regardez la boxe, sans toutefois dire le catch aujourd'hui, c'est un truc que les Américains ont amené. La boxe était directe. C'était la sorte que les gens ont perdu des vies. Par moment, on te donnait un coup de poing, tu te retrouves à l'hôpital. Ouais. Après 6 semaines, c'est là où tu sors de l'hôpital. Ce qui veut dire que ça tue. Automatiquement. Voilà. Alors, je suis sûr que le coach Mounyomo ne doit pas être d'accord avec la même question. Hein. Est-ce que la boxe ne détruit pas ces héros, si coach? Je pourrais demander au professeur d'abord. Je conclure. D'accord, je vous l'accorde. Alors, réaction aussi, je vais les tiennes. Bon, moi, je veux pas, je suis pas l'expert de la médecine sportive. Mais pas totalement, je vais pouvoir dire qu'il n'y a pas de risque sans métier. Tout métier a des risques. Ouais. Et en ce qui concerne la boxe, nous n'avons pas de doute à cet effet. Je crois lors du même combat sous le contrôle du coach, je crois Foreman a dû perdre sa clavicule. Il y a un combat, il a perdu sa clavicule à la suite de l'esquive. Il y a eu un pomme sur l'épaule. Ça, c'est Sonny Liston. Sonny Liston. C'est pas Jean Soler. Voilà. Lorsqu'on enregistre ce genre d'accident lors des combats, inévitablement, on ne peut pas ignorer les risques, qui sont parfois... qui conduisent à la fatalité au niveau de ces sports. Bon, et puis il y a une autre dimension qui a été longtemps animée entre ce fameux combat que les gens demandaient entre Mayweather et Manny Pacquiao au niveau des produits dopants, des stimulants. Vous savez que c'était la première condition qu'avait posée Mayweather. Il dit, je ne peux pas boxer avec quelqu'un qui fait, je ne sais pas où, c'est 1 millier de coups de poing. Sur combien de temps? J'exige qu'il soit contrôlé et qu'on me rassure qu'il est sain. S'il y a déjà ces risques, et ici chez nous, sous le contrôle du coach, on n'est pas toujours sûr que toutes ces précautions sont prises. Et lorsqu'on sait que le capitalisme aujourd'hui, au niveau des sports de combat, nous donne des sports où on a l'impression qu'on exige de plus en plus de la violence,
Il y a un là qui passe maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle. Le Street Fighter. C'est de la boucherie. Dans la cage. Là. C'est encore dans une cage. C'est encore plus violent que la boxe. On voit des gens qui perdent leurs yeux, qui perdent leurs dents, qui perdent leur vie. Sans risque de me tromper, voilà. On ne peut pas dire que le sport, notamment la boxe, est exclusivement noble. Sa noblesse ne vient pas du fait qu'elle soit violente ou pas. La noblesse vient à l'origine. C'était pratiqué par les nobles dans la cour royale en Angleterre. Voilà d'où vient le nom noble. Est-ce que la boxe est un sport cruel ou pas? Est-ce que la boxe ne détruit pas ses héros? Je reviens avec la question. Le mot est assez fort. Mais je veux simplement vous rappeler que je ne suis pas venu ici avec ça. Si j'avais pensé à ça, j'aurais apporté le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous verrez que ces sports que vous croyez être des sports bénins qui sont plus placés en avance que la boxe. Et la boxe professionnelle, même pas la boxe olympique. Bon, les choses, c'est-à-dire que en boxe, par rapport au classement de l'OMS, la boxe vient en 8e position, la boxe professionnelle. Et avant même, ça c'est avant qu'on ne réduise, parce que tous les jours on améliore au niveau de la boxe. Les gants maintenant, ils boxent avec les 12, 11 dans les grandes catégories. Ça veut dire que les gants plus volumineux, qui font moins mal avec le matériel qui absorbe les ondes de choc. Bon, si on revient donc au niveau de Mohamed Ali, à leur époque, ils boxaient avec du 8-11, donc plus petit. Et ils arrivaient à 15 rondes, c'est plus long, c'est fatigant. Progressivement, on a réduit les rondes, on a augmenté les gants et beaucoup de facteurs de protection sur le ring. Je m'explique, avant un combat, vous passez à la visite médicale. Ouais. Pendant que vous boxez, le médecin est assis à côté. Maintenant, on a ajouté même un autre qui ne contrôle que les blessures en dehors du médecin. Il ne contrôle que les blessures de l'alcade. Ça veut dire qu'il y a deux personnes pour la sécurité en ce qui concerne la médecine. Maintenant, votre entraîneur qui est dans le coin peut arrêter le combat. L'arbitre peut arrêter le combat. Le superviseur, qu'on appelle le délégué en général, peut arrêter le combat à chaque moment s'il sent qu'un boxeur est menacé, du moins qu'il y a une grande supériorité manifeste. Donc, la protection s'est améliorée dans la boxe. Et c'est pour ça que, je vous dis, le football est classé 4e. Au risque, après les sports mécaniques. Donc, comme quoi, il y a je m'arrête seulement qui là-bas. Qui comportent plus de risques que la boxe. Après les sports mécaniques, c'est le sport qui vient, c'est le rugby et le football. Après les sports mécaniques, c'est-à-dire que les engins et l'alpinisme suivent le rugby et le football. La preuve ici, vous ne pouvez pas me donner le nom d'un boxeur mort sur le ring. Mais je peux vous citer aujourd'hui le nom de 100 Camerounais morts sur le stade. Je ne parle pas dans le monde. De beaucoup de Camerounais morts sur le stade de football. Donc, vous allez me donner, certains me disent, le nombre de pratiquants, le machin. La boxe, déjà, vous ne boxez pas sans avoir eu les entraînements adaptés à la boxe. Apprendre à vous défendre, à attaquer et à défendre. Ce n'est que quand vous avez pu le faire, quand vous mettez sur un ring. Ça, c'est bien. De deux, il y a des surfaces qu'on doit toucher, antérieures du corps, seulement. La surface antérieure, donc, on sait où on va toucher. Vous le protégez. Donc, les risques sont très réduits. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a attrapé l'Alzheimer et puis vous de la maladie. Sur le long terme, quand même. Je vais m'expliquer. Oui, allez-y rapidement. Quand vous voyez quelqu'un qui a attrapé la maladie du Parkinson, ouais. Parce que c'était un boxeur, on dit. Est-ce que Jean-Paul II était boxeur? Le pape, il est mort avec ça. Est-ce que Yasser Arafat de la Palestine, tout le monde l'a vu trembler, est-ce qu'il était boxeur? Nous pouvons citer comme ça beaucoup de personnes, de grandes hautes personnalités qui ont cette maladie, qui n'ont jamais vu un ring. Il y a quand même, ça veut dire que l'origine. Entre parenthèses, en 2010, un neurologue français qui a commis un livre, et il disait dans ce livre qu'environ 30% de boxeurs développent après leur carrière des troubles neurologiques. C'est-à-dire, je n'en connais pas.
comme Camerounais, je n'en connais pas. Et sur le plan mondial, je ne sais pas un seul qui soit paralysé. Bon, vous avez cité Joe Louis, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, c'est vrai, j'ai vu Joe Louis, ses dernières photos, il était sur une chaise, roulante. Donc, pour ça, je ne peux pas savoir. C'est un si champion je vous comprends bien, coach, vous voulez nous faire croire que le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas le risque, il n'y a pas, non. Le risque zéro. Le fait de prendre des coups sur non, la tête. On risque. Il y a eu amélioration. Forcément, mais, parce qu'il y a eu un constat. Non, on risque. Comme dans tout métier. C'est-à-dire que je joue au ballon, pendant que je contrôle, quelqu'un vient de derrière, il me frappe. Je ne l'ai pas vu. Ça n'existe pas en boxe. Vous avez toujours quelqu'un face à vous. Vous le voyez. Vous comprenez? Vous voyez déjà deux différences entre les deux. Je contrôle mon ballon, j'avance, et quelqu'un vient de derrière, il me frappe. Il peut me casser la jambe, on va lui donner un carton. Mais jamais en boxe, personne ne viendra de derrière. Il est toujours en face de moi. Je le vois toujours. Le risque est réduit. Sauf que beaucoup de combats sont contrôlés. On demande aux gens de perdre. Et parfois, si tu refuses de perdre, on est prêt à te massacrer. Non, moi, je reste sur le plan sportif. Donc, oui, mais je reste sur le plan sportif. Tout cela entre dans le cadre de la boxe professionnelle. Je reste dans le plan sportif. Il y a des risques en boxe, je vais vous dire. Oui, parce que les gens voient le chaos. On est pratiquement en fin d'émission. Les gens voient le chaos et croient que le gars est complètement mort. Oui. Non, le chaos, c'est quoi? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le cerveau est dans un liquide céphalo-rachidien. Il flotte là-dedans. Quand vous frappez, quand vous recevez un coup qui fait pivoter la tête un peu plus loin, le cerveau frappe sur le crâne, vous perdez connaissance pendant quelques secondes. C'est, on compte jusqu'à 8, jusqu'à 10, généralement à 2 ou 3, vous êtes debout. Maintenant, ça c'est le chaos cérébral. Vous pouvez perdre, d'abord vous pouvez perdre connaissance même pendant 15 secondes, même 10 secondes, même 30 secondes. D'accord, ça c'est le chaos cérébral. Ça n'a jamais, c'est à partir des multiples chaos. C'est pour ça que quand vous prenez un chaos cérébral, on vous donne 3 mois de repos. Deuxième chaos, on vous donne 6 mois. Après, si vous avez encore un autre chaos, on vous donne 1 an. Vous comprenez, si c'est chaos cérébral, vous avez perdu conscience pendant 2 ou 3 secondes. À partir de 3 secondes, vous prenez le temps. Maintenant, il y a le chaos postural qui ne vous permet pas d'être congédié. C'est-à-dire que le centre d'équilibre et ébranlé, vous n'allez pas rester debout, coach. Vous chutez parce d'accord, que coach. Je sens d'équilibre ébranlé. Vous voulez absolument nous faire comprendre. Non, je vous explique. Et alors là, c'est rien du tout. Voilà, c'est ce que vous voulez absolument nous faire comprendre ce soir. Je crois je prends l'occasion de revenir là-dessus. Ouais, c'est ça que j'avais souhaité avoir un médecin de sport sur ce plateau par rapport à ça. Malheureusement, le docteur Ngo n'était pas disponible ce soir. On va y revenir. Donc, en quelques mots aussi, on est en fin d'émission. Je commence par vous, Joël Etienne à Tangana. Un mot, on sait que les obsèques de Mohamed Ali, c'est cette semaine, vendredi. Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, fait partie des personnes qui ont prononcé l'horizon funèbre. Bon, un dernier mot sur la portée de l'état de Mohamed Ali. Tout simplement pour dire que Mohamed Ali a vécu. Mohamed Ali est le reflet d'un milieu social. Mohamed Ali a produit un certain nombre d'actions, un certain nombre d'actes, mais qu'aujourd'hui, ces actes devraient inspirer beaucoup de sportifs, beaucoup d'athlètes et beaucoup d'autres artistes, et que en dépit des activités des uns et des autres, il n'y a pas d'engagement sans risque. Il n'y a pas d'engagement sans risque, hein. ça veut tout dire ça. Coach, à quelques secondes. Oui, je dis il n'y a pas de risque dans mon métier. Les enfants peuvent, il y a plusieurs formes de boxe parce que les gens ne voient que la boxe professionnelle. Il y a la boxe éducative. Il y a la boxe des jeunes, il y a la boxe féminine, il y a la boxe olympique, c'est 3 rounds. Mais les gens n'ont l'œil que sur la boxe professionnelle, qui est la recherche du gain. Et il y a le risque dans la recherche du gain. Vous comprenez? Donc là, les gens mettent de l'argent, ils ont besoin de résultats, il faut y aller à fond. On peut doper, je dis bien, on peut doper des athlètes, c'est possible pour le résultat. Donc là, il y a le risque. Mais dans l'ensemble de la boxe, il n'y a pas de risque. D'accord. Selon le coach Monimo, qu'on va ça forcément rappeler lorsqu'on devra parler de la boxe camerounaise aussi, hein, parce que c'est important, le noble art au Cameroun. Je vous rappelle que nous avons les qualifiés pour les Jeux Olympiques. Voilà, par exemple. Albert? Mais juste concernant Mohamed Ali, je crois que tout ce qu'il a eu à faire,
à son époque. Aujourd'hui, avec toutes les mutations politiques, environnementales et tout ça, les gens, les grands dirigeants, même des États-Unis, comprennent la portée de toutes ces actions. Et c'est pour ça que tous ces grands de ce monde sont prêts à lui rendre hommage et nous autres du tiers-monde avec. On termine par vous, coach Mabouka. Ah, je crois que c'est une leçon pour le monde du sport que ce monsieur a eu à donner à tout un chacun et que nous avons appris cette leçon et que comme il est parti, que tout le monde puisse ne serait-ce que savoir qu'il est là, il restera là et qu'on essaie de faire avec ce qu'on trouve dans ce métier. D'accord, merci bien, merci à tous d'être venus. C'est vrai, finalement, on n'aura pas eu le temps de parler quand même des Lions indomptables qui se sont qualifiés pour la CAN Gabon 2017 de football, mais on a, dans nos prochaines éditions, on va y revenir. Merci à la réalisation, merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Nuit du Sport. Au revoir.